l'ai vraiment beaucoup aimée. Et j'aurais juste souhaité qu'elle ait bien fait les choses. Dépêche-toi, elle nous attend. Viens.
My hands are clean, oh, I come with you.
Because your evil plan, this evil plan, is just unleash wickedness on innocent souls. Unleash your wickedness, it's just for you to destroy this innocent person. Why? Oh, worry for Meregi. Oh, worry for Meregi. Oh, worry for Meregi. Oh, worry for Meregi. Oh, you walk up on Wanda. Oh, worry for Meregi. Oh, you're not you want to hear Meregi. Oh, worry for Meregi. Give Wanda. Oh, worry for Wanda. Oh, you walk up on Wanda. Cet endroit est dangereux pour toi. Dis-moi, qui es-tu? Patron, je n'ai pas fait ça. Tu n'as rien fait? Ne me dis pas que tu n'as rien fait. Je te demande qui es-tu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Mon nom, c'est Amaka. Amaka et Kekwe. Tu viens d'où? J'ai été accusée et bannie de ma communauté pour un crime que je n'ai pas commis. Ah ah. Bannie? Attends. C'est vrai? Est-ce que c'est toi qui bannis de cette communauté de Mbano? Pour avoir tué ses parents? Non. Donc c'est toi? Non. 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 C'est bon alors. Crois-moi, je suis innocente. D'abord. C'est bon, ça suffit. Cet endroit est si dangereux, non? Ne reste pas ici toute seule. Hein? Ce n'est pas bien pour toi. Je n'ai aucune raison de vivre. Hey, ne t'inquiète pas, d'accord? Sois juste forte. Ok? Suis-moi. Lentement. Je ne l'ai pas fait. C'est bon. Allons à la maison d'abord. Hein? Comme ça, au moins, tu pourras boire de l'eau. Hein? Je n'ai pas tué mes parents. C'est bon, j'ai entendu, non? Mon vélo. Hein? Hein? Pourquoi les gens sont si cruels? Hein? Cet endroit est si dangereux, tu ne peux pas rester ici toute seule. Doucement, hein? Donne-moi ta main. Donne-moi juste ta main, hein? Désolé. Viens, doucement. Doucement. Tiens le vélo. Tu peux arriver, hein? Doucement. Allons-y. Nous devons rapidement quitter cet endroit. Cet endroit n'est pas bon. Hein? Ah ah! Es-tu sûr que tu peux marcher? D'accord.
Avance. Avance. Doucement, hein. Viens là. Hey. Doucement, hein. Doucement, hein. Fais de ton mieux, s'il te plaît, doucement. Essaie de me donner ta main. Allez, viens, viens. Hein? Hey, cet endroit n'est pas bon pour toi. Attends, hein? Es-tu sûr que tu peux aller jusque-là? Hein? Attends, je vais t'aider. Ici. Doucement, doucement. Doucement. C'est bon, hein? Nous sommes déjà presque arrivés. Doucement. Doucement. Hey.
Hey, Igwe. Igwe Badaye. Igwe Badaye. Hey. Onye nedumbo, iba kwadu mama do wetija. Oga ekwe kamwa nozo. Onye nedum. Oga ekwe kirere we mem. Oye nedum. Oga ekwe kamwa nozo. Oye nedum maro be mo. Oye nedum. Je commence avec le premier couplet. Ok, le deuxième, je vais le chanter quand je vais arriver au palais. Oye nedum, oga ekwe kamwa nozo. Oye nedum, oga ekwe kire we memo. Oye nedum, oga ekwe kamwa nozo. Oye nedum, ma. Hey, moi, j'ai besoin d'aller voir Igwe. J'ai besoin d'aller voir Igwe. Il n'y a personne qui va m'empêcher. De voir Igwe. Il ne va pas me laisser comme ça. Il va m'ajouter la boisson. Hein? Il m'aime beaucoup. Il a toujours préféré ma présence au palais. C'est mon jour aujourd'hui. D'aller voir Igwe. Il m'aime beaucoup. Il aime voir ma présence au palais. Hey! Oye nedum, oga ekwe kamwa nozo. Oye nedum, oga ekwe kihere we memo. Oye nedum, oga ekwe kamwa nozo. Oye nedum, maro. Je suis déjà au palais. Hein? Je suis impatient. Personne ne m'empêchera de voir Igwe aujourd'hui. Eh oui, je sais qu'il m'attend déjà pour me recevoir. Vraiment, aujourd'hui, c'est mon jour. Hein? 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 Lena Chuku, le grand mascotte. Odogu, ah, le grand Igwe de notre village. Je suis déjà prêt. Hein? Je viens. Je vous aime, Igwe. Je suis venu vous visiter. J'ai beaucoup chanté, Igwe. Uniquement pour vous, je viens. Le matin, je fais la répétition. Parce que je savais que j'ai la rencontre avec le grand Igwe, le grand chief. Hein? Igwe, je suis déjà là. Comme vous ne venez pas me voir, moi je suis venu vous voir, Igwe. Je me suis déplacé de chez moi pour venir vous voir. Je sais que vous êtes cher pour moi. Voilà pourquoi je suis venu vous rendre visite. Il est difficile de rester chez moi, hein, sans vous rendre visite. Ça, c'est moi. C'est moi. J'ai carrément abandonné l'université. Hein? La cause, c'est le vin de palme. Ça, c'est notre village. Est-ce que c'est vrai? Je suis au palais. Hein? Je suis au palais. Ok, que j'avance. Je vais d'abord voir si réellement je suis au palais. Si j'arrive au palais, je vais me calmer. Parce que je sais que je serai devant les Igwe. Je vais me mettre en ordre moi-même. Hé, toi! Arrête-toi là! Tu dois m'arrêter ici pour quelle raison? Est-ce que tu raisonnes normalement? Toi, fou, écoute-moi. Hein? Cet endroit, c'est mon palais. Hein? Je suis le responsable de ce royaume. Donc, tu n'as pas le droit de me dire quand est-ce que je vais venir et quand est-ce que je vais quitter. Alors, dégage vite. J'ai besoin de voir les Igwe. Et je dois le voir. Tu n'as rien à chercher ici au palais. Hein? Maintenant, va-t'en. Qui te l'a dit? Hein? Qui t'a dit que je n'ai rien à voir ici dans mon royaume? Ça, c'est mon palais. J'ai le droit, je veux dire l'audace de venir ici. N'importe quelle heure, n'importe quel jour. Donc, tu n'as rien à me dire. Je peux voir que dégage. Tu es ivre, c'est vrai. Hein? Maintenant, va-t'en. Hein? Comment oses-tu de me dire ça? Regarde-toi. Tu es semblable au grand féticheur du village. Et tu me dis de quitter ici. Qui t'a donné cette audace? Ne sais-tu pas que tu es qu'un servant dans ce royaume? Maintenant, si tu ne quittes pas devant moi, tu vas être surpris. Je vais te faire quelque chose que tu ne vas pas aimer. Toi, tu dégage. Tu ne peux rien faire. Tu m'as bousculé? J'ai dit que tu ne peux rien faire. Essaie de le faire encore. Essaie de me bousculer encore. Bouscule-moi. Bouscule-moi encore. Ok. J'ai dit va-t'en. Ok. Attends, tu vas voir. Oh, Chuku. Hey. Tu m'as cherché. Aujourd'hui, tu me verras. Je vais te frapper aujourd'hui. Ok. Maintenant, prends position. Tu crois que j'ai peur de l'épée que tu as? Donne-le-moi. Donne ça ici. Donne. Ok. Je suis venu voir Igwe. Je ne suis pas venu pour toi. Dégage. Maintenant. Tu ne peux pas voir le roi. Je ne peux pas voir le roi. Tu le prends pour ton père. Je dois avoir la permission pour venir dans mon palais. Ne sais-tu pas que cet endroit m'appartient? Tu mens. Je mens. Oui. Je mens. Regarde. Regarde ces bâtards. Les personnes à qui j'ai suivi pour supplier Igwe. Qu'il te permette de travailler ici afin de ne pas mourir de faim. Pour que tu ne meurs pas de faim. Laisse-moi la place. Je dis quitte là. Arrête-toi là, va-t'en. Ne me dis pas ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Votre Majesté. Votre Majesté. Il dit qu'il veut vous voir. Oui. Et je voulais savoir s'il a un rendez-vous. Laisse-le passer. Igwe Gadi. Igwe Abudagne. Ferme ta bouche. Igwe Abudagne Gadi. Hein? Igwe.
Mes salutations, Igwe. Longue vie, Igwe. Hey, finalement, je suis devant. Mon Igwe. Toutes mes salutations, Igwe. Hey, mes hommages, mon Igwe. Igwe. Igwe Gadi, le seul Igwe de ce village. Je vous salue. Heureux de vous voir, Igwe. Igwe, vraiment, je suis venu vous livrer un bon message. Achiku. Igwe. Dis-moi ce que tu es venu dire ou bien que tu partes de cet endroit. Igwe, je suis permis de m'élever. Permettez-moi de m'élever. Achiku, pour la dernière fois. Igwe. Oh, Igwe Gadi. Donne d'abord ce bâton ici. Tu es fou? Igwe, désolé. Je suis désolé, Igwe. Vraiment désolé. Igwe, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'un de vos fils, je veux dire votre fils. L'un d'eux, il est prêt à vous donner un bon sourire. C'est vraiment quelque chose de bien. Mais Igwe, je ne sais pas si c'est qui entre eux. Vraiment, je ne sais pas. Je vais essayer de vérifier. Vu ma personnalité, j'ai fait mes recherches personnelles, Igwe. Cette recherche, vraiment, m'a donné un bon rendement. Mais je ne sais pas. Je suis confus. Mais je sais. Très bientôt, Igwe. Très bientôt, Igwe. Tous vos garçons, ils vont vous rendre heureux. Mais vous serez prudents. Vous serez vraiment prudents. C'est ça le message, Igwe Boudagne. Et je prends congé de vous maintenant. Je prends congé de vous. Achiku. Igwe. Je te l'ai dit à plusieurs reprises de ne pas boire et de venir ici au palais. Igwe. Hey. Depuis hier, si je m'en demande à Maka, demande à Injideka. Depuis hier, je n'ai pas pris de l'alcool. Oubliez ceci. Igwe Boudagne. Mais ceci, je l'ai acheté en cas de nécessité. Igwe. Igwe. Je ne peux pas boire de l'alcool et venir ici au palais. Je n'ai pas bu, Igwe. J'ai décidé de ne pas boire jusqu'à ce que je vais arriver ici. Alors je vous ai livré le message, je dois rentrer. Je vais continuer mon chemin, Igwe. Qui disait que Igwe ne doit pas me recevoir? Ok, Igwe, je pars comme ça. Faites-le sortir d'ici. Qui? Que ça ne soit pas celui-là, que ça ne soit pas ce bâtard. Tourne, avance. Je pars à la maison maintenant. C'est par là le chemin. Allez, avance. Ok, c'est moi, Chukou. Ne me bouscule avance. Pas. Fais-le doucement, avance. Doucement. Tu me fais ça pourquoi, hein? C'est parce que je t'ai venu uniquement livrer le message. Je t'ai venu livrer mon message en paix. C'est comme ça que tu me bousquilles là, Chukou. Laisse-moi. Laisse-moi, Chukou. Qu'est-ce que tu veux avec moi? Est-ce que je t'ai venu pour toi? Sauvage que tu es. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Chukou? Maman? Maman, hein? Je suis de retour. Hey, vraiment, je suis fatigué. Maman? Hey, onnabo. Je suis là. Agunaya. Omekanaya. Maman? Ah, tu es rentré. Bienvenue, oh. Merci, maman. Et hey, wow. Maman, le vin de pomme d'aujourd'hui est vraiment particulier. Je te jure. Maman, vas-tu prendre? Quoi, tu veux me attends, donner à boire? Attends, je te prends un tout petit peu. Pas maintenant. Hey, maman. Laisse ça. Quand je vais bien manger, là je vais le prendre. Hey, non, oh. Maman. Non. Hey. Non. Hein? Bonjour, maman. Oui, bonjour. Je connais pas cette figure. Je sais, mais elle avait besoin de notre aide. Et je n'avais aucune autre option que de l'emmener ici. C'est vrai ça? Oui. Hé, hey, maman, te rappelles-tu d'une certaine fille qui a été bannie de la communauté de Mumbanu? Hein? Je l'ai rencontrée dans la brousse, toute seule en train de suffoquer. Elle n'a nulle part où aller. Non, viens, viens. Es-tu sûre qu'on doit la garder? Oui. Crois-moi, maman. Ok. Nem. Maman. J'espère que tu es innocent de ce qu'on t'accuse. Non, maman. Je jure par les dieux que je suis innocente. Maman, je n'ai pas fait ça. Bon, d'accord. Ok. Mais pourquoi tu pleures? Je n'ai fait que demander. Arrête de pleurer. Eh ben, Zina, fais-la entrer à l'intérieur. Fais-la entrer et laisse-la se réfléchir. Maman. Hein? Et la nourriture est merci, sur la maman. Table. Merci, maman. Alors, nous allons discuter après le repas. Oh? D'accord. Merci, maman. Allons-y, hein. Merci. Allons-y, hein. Hey. Maman, merci. Je t'en prie. Maman. Tu l'as bien fait. Pourquoi on t'a seulement banni pendant que tu es innocente? Hey, pourquoi faire souffrir une petite fille pareille? Hein?
J'espère que tu es innocente. Soyez la bienvenue dans le palais. Merci, princesse. Merci, ma princesse. Mais votre invitation nous a beaucoup surpris. On est là parce que on n'a pas voulu vous décevoir. Oui. Mon père, le roi, a demandé à mes deux frères de se marier le plus vite possible. Eh bien, quelques filles ont essayé, mais n'ont pas réussi. Raison pour laquelle je vous ai personnellement invité, mes amis, et savoir si l'une d'entre vous serait intéressée pour venir dans ce palais. Ah, princesse, que Dieu te bénisse vraiment. Et je confirme maintenant que tu es vraiment notre meilleure amie. Jennifer a vraiment raison. Je veux dire, on sait que vous avez beaucoup d'amis, mais vous nous avez choisis. Et pour vous répondre, je suis intéressée. Je suis aussi intéressée. Je connais tes deux frères, Prince Amike et Jizu. Et je suis prête à les affronter tous deux. Vous avez très bien parlé. Oui. Dans ce cas, j'aurai à faire des arrangements pour que vous le rencontriez. Peut-être pendant le week-end ou quelque chose. Ah, cela sera vraiment merveilleux. Princesse, fais seulement ce que tu seras capable de faire. Et tous les restes, laisse-les entre nos mains, moi et Sandra. Car ce qu'on n'a jamais fait n'existe pas. C'est le cas. Jade, je crois en toi, je crois en toi. Ok, buvez, on va parler plus tard. D'accord. Ah, merci. Ok, merci princesse. Bienvenue, monsieur. Je crois que tout va bien. Ah, merci. Patron? Patron, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, monsieur. Ok, vas-y. Patron, ce que je voudrais vous dire, c'est une discussion un peu plus privée. Je veux vraiment avoir une conversation sérieuse avec vous, monsieur. Vas-y, continue, je vais t'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Patron, vous voyez cette tontine, Vera? Hey! Patron, cette tontine n'est pas seulement belle eau. Patron, elle fait peur. Elle travaille très dur. Patron, elle est le numéro 1 de toutes les femmes que vous avez pu emmener ici au palais. Patron, je ne veux pas dire quelque chose qui vous dérange. Je me suis juste décidé de dire la vérité à mon patron. Elle est vraiment différente, messieurs. Comparée aux autres, elle est très différente. Je t'ai écouté. Merci, patron. Hey, tantine Vera. Tantine Vera. Oh, mon amour, chérie. Mon amour, comment vas-tu? Je vais bien, chérie, et toi? Comment était le boulot aujourd'hui? Bien. Je crois que tu ne t'es pas donné beaucoup de stress aujourd'hui. Bébé, je ne mens pas. Aujourd'hui, c'était vraiment fatigant. Désolée, chérie, je suis désolée pour ta journée. D'accord, comment était ta journée? C'était bien, très bien. Mais, s'il te plaît, tu dois faire attention à la manière dont tu gères l'argent. Pourquoi est-ce que tu dis ça? J'ai trouvé cet argent dans l'un des paniers et de la chambre. Oh mon Dieu! Sais-tu que je cherche vraiment cet argent? Tu vois, ce n'est pas du tout gentil, non, bébé? Oh mon chéri, tu merci. Tu dois faire très attention. Merci. C'est l'argent de mon partenaire d'affaires. J'étais supposé de le donner hier. Hé! Hey, tu vois, tu l'as maintenant. Ça, c'est une femme. Merci. Allons dans la chambre pour profiter de notre temps. Hey, je dois d'abord monter à l'aimer. Non, reposer, pas question. Je ne te laisserai pas te reposer. Je refuse, non. Merci. Alors, dis-moi, comment tu vas t'habiller les jours du rendez-vous? Je suis impatiente de ces mariages, que ces jours arrivent si vite. En tout cas, je suis impatiente pour l'invitation de la princesse. D'ailleurs, le prince Tiami qui sera intéressé par moi. En considérant les choses naturelles que Dieu m'a béni avec. Sandra, calme-toi. Oh. Les princes ne nous ont pas encore vus ni appréciés et maintenant tu es déjà folle d'eux. Bien, peu importe le cas, soyons juste focus en étant belle et attirante pour le prince.
C'est tout ce qui me concerne. Moi, je serais très heureuse si le prince s'intéresse à moi. Honnêtement, si ceci arrive, je serai la prochaine reine du royaume d'Omifi. Bien, c'est que je saurai que l'une de nous sera reine. D'ailleurs, on est trop moderne, exposée et classe. Hein? Nous sommes dignes d'être la reine de ce royaume. Nous répondons à tous les critères que le prince cherche. Amaka, salut. Maman. C'est bon. Tu travailles depuis le matin, hein? Depuis que tu es réveillée, tu ne fais que travailler. Allez, donne-moi ça. Maman. Laisse-moi faire la cuisine, non? Maman, qui t'a dit que je me plains? Hein? Je ne me plains pas, non, maman. Je suis tellement forte. Il y a encore de l'énergie. Je ne me plains pas que je suis fatiguée ou quoi. Qu'est-ce qui se passe? Maman, ne te stresse pas, s'il te plaît. Ok, laisse-moi même t'aider avec ça. Oh, d'accord, c'est bon. Repose-toi, maman. Regarde-moi ça. Tu as beaucoup travaillé, tu n'es pas supposée te reposer. Il n'y a que moi qui vais se reposer. Hein? Maman, ne te dérange pas. Je veux me reposer. Je ne suis même pas encore fatiguée. Ok, hein? La fille forte. Dès que ça serait prêt, fais-moi savoir. Je le ferai, maman. Alors, qu'est-ce que tu veux que nous puissions parler ce matin? Promets-moi d'accepter ma requête. Et s'il te plaît, ne dis pas non. Oh, bien sûr que si. Mais dans le cas d'espèce, je dois soutenir ma sœur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok, mes amis étaient venus aussi au palais. Il y a quelques minutes passées que tu n'étais pas rentrée du boulot, alors elles sont parties. Donc, tu es sérieuse sur le fait que je dois rencontrer tes amis? Oui, je suis sérieuse. Et d'ailleurs, elles ne sont pas seulement mes amies. Ces filles sont jolies, brillantes et dissimulées. Je suis sûre que tu vas les aimer en les voyant. Alors, lorsque nous les inviterons au palais, tu auras la chance de le rencontrer. Eh bien, tu vas leur demander de revenir le week-end. Et on verra si je vais apprécier une d'entre elles. Oh. D'accord? Merci. Merci. Je t'en prie. Je dois partir maintenant. Très bien, c'est une bonne chose. Ok. Merci. Dieu. Ah, maman. Hey. Ah, maman. Mais voici, je suis de retour. Hey. Oui, oh, maman. Tu sais, hein, j'ai vendu tous les vins de palme que j'avais emmenés au marché aujourd'hui. Maman, hein. C'était comme de la magie. Hein, maman? Aïe! Hein, hey, maman? Oh, Boguna! Maman? Non, mais ça, maman, c'est toi? Maman? C'est toi que maman, je vois là! Maman? Hey! Hey, maman? Maman, regarde! Regarde-moi ces dames jeunes! Maman, hey. J'ai tout vendu! Regarde, ce n'est que des dames jeunes vides! Tout c'est est fini! C'est ça? Hey. Vraiment, merci! C'est vraiment bien haut! Hey. Je suis contente de toi! Maman? Hey, Naï! Oui, Amaka? Hey! Je l'ai envoyé m'acheter un médicament. Oui, parce que j'en ai besoin. Ah, ah. Hein. Dès qu'elle achète, elle va rentrer. Est-ce que tu vas bien? Bon, ça va un peu, mais j'ai des petits fièvres. Hey, désolé, hein. Hé, hey, non. Hein? Ça me rappelle, maman. Ta journée a été bénie. Il y a quelque chose que je peux remarquer avec Amaka. Maman, hein.
depuis que cette fille a commencé à rester avec nous ici, je suis toujours chanceux de vendre tout mon vin de palme. Maman, essaie un peu de regarder. Je te jure, j'arrive à tout vendre. Maman, je pense que cette fille hein, a un bon esprit qui attire la bonne chance vers nous. Alors, ce que moi je vois ici, tu sais quoi? Elle ne veut pas me laisser faire quelque chose. C'est vrai? Elle est très très forte. Hein? Je n'ai jamais vu une jeune fille forte comme elle. Hein? Dès qu'elle se réveille, elle fait tout. Chai. 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 Cette fille est une bénédiction. Je ne vais pas la perdre dans cette maison. C'est vrai? Mais oui. Hey. Maman, hein, je t'avais dit, cette fille est une source de bénédiction pour nous dans cette famille. Hein? Essaie juste de regarder. Né. Hey. Né, bienvenue. Hein? Comment vas-tu? Grand frère, bienvenue. Merci. Dis-moi, tu as trouvé le médicament? Rien du tout. Maman, je viens de chercher le médicament. Pardon, comme tu es là, essaie de m'expliquer. Ok, regarde. Ils ont dit que tu dois prendre 2 le matin, 2 l'après-midi. Et 2 les soirs. Comme ça, tu vas prendre ça. Ce qui est colorant en orange et celle-ci. Je vais prendre c'est le comme tout. Ça qu'il faut prendre ça. Oui. Hey, Amakao. Grand frère, hein? C'est comment s'est passée ta journée? Tu veux que je te dise? J'ai vendu tout le vin de palme. C'est vrai ça, mon grand. Essaie de regarder. T'as vu? Hein? Hey! J'ai tout vendu. J'ai tout grand frère! Hey! Hey! Vrai, Amaka. Maman! Oh mon Dieu! Tout! J'ai tout vendu. Je leur donne le prix, ils achètent. Hein? Maman? Ils n'ont même pas discuté. Juste le prix et ils achètent. Et c'est comme si ce simple vin de palme avait un goût différent. Aïe! Hey! Grand frère, je suis contente pour toi. Oh. Merci. Grand frère, j'avais préparé que je te sers. Est-ce que c'est une question? Emmène-moi cette nourriture et que moi j'aille me laver. Mais rassure-toi, hein, avant que je ne sorte, hein, que tu aies déjà tout mis en place. Mais c'est ce qui va se passer, non? Ça serait déjà là. Maman, que je t'amène aussi de l'eau? Avant toi, amène-moi mon eau. Je vais prendre les médicaments. Ok, maman. Dépêche-toi, ma chérie. Maman, que j'aille me laver. Hein. Ah, ça, c'est mon fils. Concernant cet argent que tu avais demandé, plus tard nous allons parler de ça. Plus tard, nous en reparlerons. Ok, laisse-moi t'arranger ça. Tu vas porter ça demain. D'accord, maman. Hey, maman. Oh. Ah, cette fille, Amaka. Hey, mon Dieu. Hey. Merci. Merci, mon Dieu. Oh. Maman? Bonjour, maman. Dis-moi, pourquoi tu t'es réveillée avant tous les villages pour travailler? Maman, hein? Ça, c'est pas un problème. Oh. Je m'étais décidée de me réveiller tôt le matin pour que je finisse mon travail à temps. Mais pourquoi? As-tu un rendez-vous? J'ai pas de rendez-vous, maman. Hein? Mais je m'étais décidée d'aller accompagner mon grand frère avant le vin de palme. Mm-hmm. Oui, je m'étais décidée, non, je dois faire ça. L'accompagner. Tu as dit l'accompagner. Et ça fait quoi? S'il te plaît, oublie ça, je t'en prie, ma fille. Oublie ça parce que c'est impossible. C'est impossible. Hein? Pourquoi, maman? Ah, je n'ai jamais vu une fille en train de faire ça dans ces villages. D'ailleurs, c'est un domaine réservé aux hommes. Maman. Hein? Pas pour les filles. Oublie ça. Mais maman, qui a dit que c'est un tabou? Hein? Il faut essayer, non? Ce qu'un homme peut faire, la femme aussi peut le faire très bien d'ailleurs. Maman, ne te dérange pas. Je m'étais décidée de faire ça. Alors, ne me décourage pas, s'il te plaît. Ne me décourage pas, maman. Je t'en prie. C'est bon. Fais ton souhait. Ton souhait est d'aller faire le vin de panne. Tu n'as qu'à aller au CEO. Ok, maman. Ah. Ok, tu n'as qu'à aller faire. Merci, où? Oh. Il est d'abord où? Eh, j'ai oublié qu'il est encore à l'intérieur. Oh, le poids de l'âge. Regardez quand le bouvet
Encore ceci. Que veux-tu que le grand féticheur puisse faire pour toi? Le grand Deka. Je veux savoir comment est-ce que Amaka est en train de se débrouiller dans cette autre terre. Elle a disparu. Et elle est dans une terre lointaine. Pourquoi es-tu toujours derrière elle? Les grands Oteka. Hein? Pour le fait que Amaka m'ait rejeté, elle a refusé de m'épouser. Et que je suis tombé amoureux d'elle. Je n'arrive plus à me débarrasser d'elle. Tu es devant le grand féticheur. Fais tes demandes. Je veux voir comment est-ce que Amaka se porte. Ogugwike. Anyamja honzo. Mba. Mehea gosim. Kaifu. Ifo ya choka kwa fuka. Ifo choka kwa fuka. Ogebenja honzo mwa. Mehea. Voici Amaka. Et ça, c'est la maison qu'elle est en train de vivre. Allons d'abord au marché. Hein? Non! Qui dit que vendre comme ça, c'est mauvais? Mais allons d'abord au marché. Non, hein? Grand frère. On appelle ça le marketing mobile. Si on faisait le marketing, on va finir de vendre avant d'arriver au marché. Marché mobile? Marketing mobile. Ah, ah. Achetez le Amaka. Vin de Pâle! Les gens de mon village, hey. Achetez votre vin de Pâle! S'il te plaît. Les bons vins de Pâle! Du vin de palme original. T'as si bien acheté, oh, c'est vraiment bon. Oui, c'est ça. Du vin c'est de palme original. Oui, achetez votre vin de palme. Amaka, attends d'abord que nous arrivions au marché. Achetez votre vin de palme. Mes chers clients, achetez le vin de palme. Mes frères, achetez le vin de palme. Venez nous vendre le vin de palme. Ah, tu as vu quand même raison, hein. Ça, c'est le marketing. Je du t'avais vin dit. De mobile. Le marketing mobile. Quoi mobile. Ah! Le bon vin de palme, c'est très bon. Celui-ci est le vin de palme original. Du vin du palme naturel. Je vous assure qu'il est trop bon. Vous aviez vu ce vin de palme? Si vous goûtez ça, c'est vraiment frais. Je vous assure. C'est bon comme ça. Vraiment. Ne vous inquiétez pas, on vous fait goûter, hein? Oh. C'est vraiment frais, c'est bon, en tout cas, c'est délicieux. Ah. C'est tellement, tellement bon du que... Vin de palme. Non, c'est naturel, naturel et c'est bon le vin de palme. Ne vous inquiétez pas. Hey, je vous assure que c'est en tout cas du très bon, oh. Écoute, vous allez aimer. C'est vraiment je un vous bon ai dit. Vin. C'est ce que j'ai je dit. Je vous ai dit. Vous aviez vu? Je vous ai dit. Je vous ai dit. Mon grand, tu as vu le marketing mobile? Mon frère, le marketing mobile. Hein? Il est très délicieux. Donnez-nous un gallon. Hey, ce n'est pas vrai. Toute une dame Jeanne. Alors ça coûte combien? Amaka. Ok. Ok. Une dame Jeanne coûte 2500 à discuter, vous dites? Non, ah, non, ça non, c'est non, vraiment non, très non, cher. 2000 naira. C'est du vin du palme. Mais naturel. On va te donner 2000 naira. Non! Regardez, non, grand frère, donne-moi. C'est vin de palme est frais, on a pris ça ce matin. Écoute-nous, oui, oh. Nous n'avons que 2000 naira ici. Nous vous donnons 2000 mais naira. Mais grand 2000, c'est bien. Ebene, c'est mon ami. Je sais que c'est votre ami, mais. Donnez seulement 2000 naira. Peu importe. Grand frère, tu peux pas vendre ça à 2000. Regarde, pas. Hein. Ils sont mes amis, ne t'inquiète pas, oh. Donne-le. Donnez ma main 2200. Non, 2000. Madame, Ebene, on a que 2000 Ebene, c'est ici. Mon ami. Donne-le l'air à ces prix-là, c'est pas grave, hein. Prochainement, je veux pas vendre ça à ces prix, oh. C'est vin de palme. Ce vin de palme est vraiment frais et beaucoup. Prenez, donne-moi l'argent. Hey. Grand frère, en paro. Tu vois ce qui est resté? Plus assez, hein? Oh. Nous pouvons le mettre sur mon vélo.
Comme pourquoi ça, merci. Oh. Ebélé, apporte encore demain matin. Oui, yo. À tout moment que vous en aurez besoin, n'hésitez pas. Dites-moi. Je vous fournirai toute quantité dont vous aurez besoin. Je te fais confiance. Et ça serait le bon vin de palme. Hey. S'il vous plaît, n'oubliez pas la dame Jeanne. Ne t'en fais pas, on va remettre. Est-ce que je peux avoir mon gobelet? Hey. Attends. Mon gobelet. Merci. Ebélé, n'oublie pas, apporte-le encore demain matin. Oteka. Amaka donne de l'apparence d'avoir ajouté un tout petit peu de volume sur sa hanche. Et sa poitrine aussi donne d'apparence d'avoir pris de volume. Oh. Mais c'est qui ce jeune homme qui est avec elle? Je ne l'aime pas. Non, je ne l'aime pas. Je me rends aussi mal à l'aise de le voir à côté d'elle. Et je ne veux pas qu'il essaie de profiter d'elle. Bien. Si tu le dis ainsi. Merci. Merci, Oteka. Je peux tout voir. S'il te plaît. Je veux que tu gardes. Que tu gardes un œil sur elle. Mon offrande. One mad one more. Odogu Okosi. Okosi Odogu. Jele. Jele Agwe. Ah. Okosi Odogu. Elle devient de plus en plus belle. Ce n'est pas vrai, oh. Le grand Oteka. Oteka. Madame, vous ne pouvez pas entrer comme ça. Apparemment, tu n'as pas du respect. Mais comment est-ce que vous pouvez juste venir non, entrer non, comme non, ça? Non. Tu n'as pas du respect. Je t'ai dit que je cherche Veria. Et je sais qu'elle est ici. Alors, s'il Mais te plaît, non, arrête ces petits os. Laisse-moi tranquille. Ne savez-vous pas que c'est moi le chef ici? Comment est-ce que vous pouvez entrer ici sans ma permission? Madame, s'il vous plaît, partez. Ne me touche pas. N'ose pas. Madame, je vais vous transporter au... Maintenant, je vais vous transporter comme un petit enfant et je vais vous jeter dehors. On t'a déjà fouetté. Laisse-moi te dire. Je vais vraiment te fouetter jusqu'au pied là. Tu vas sentir. Oh seulement. Allez, quitte-la. C'est quoi ça? C'est quoi? Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi. Quoi? C'est quoi ça? Aïe. Vera, tu n'as pas signalé à ce vaurien que tu as de la visite? Comment est-ce qu'il m'a embarrassé? Il est tellement stupide. S'il te plaît, désolé vraiment, j'étais occupée à la cuisine. Okene, s'il te plaît, peu importe quand elle viendra me chercher à la maison, ne lui pose pas de questions n'importe comment. Hein? Tu dois les connaître maintenant. Est-ce que c'est compris? Je suis vraiment désolée, ma chère. Okene. Je veux bien voir que tu n'es pas du tout en forme. T'inquiète, ça ira aller. Mets-moi les sourires sur ses visages. Allez, c'est pour toi. Madame de toutes les dames. Oh, madame, c'est pourquoi je vous aime. Madame, si ce n'était pas pour vous. Oui, je sais, c'est bon, on part. Même après m'avoir embarrassée, tu lui donnes de l'argent. Oh, ben, ne te dérange pas. Lâche-moi. C'est bon, on part. Je peux partir. Pars maintenant. Madame. Vas-y, non? N'importe quoi. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que tu as traîné les pas? Vaurien. Grosse tête. C'est ce que tu es. C'est bon.
Je suis désolée, s'il te plaît. Veuillez m'excuser. Je t'ai entendu. Hein? Comment vas-tu? Je vais bien. Désolée pour ce qui venait de se passer. Non, ça va. T'inquiète pour moi. Ça va très bien. Je suis bien. Raconte. Ma princesse, qu'est-ce qui se passe? On était ici il y a longtemps. Ah. Où soit ton frère Jamie qui a changé ses idées par rapport à notre rencontre? Non, ce n'est pas le cas. Ok. Excusez-moi, laissez-moi voir pourquoi il n'est pas encore là. D'accord, c'est bon. Oh, les voici. Je suis là. J'en avais marre de le faire attendre. Ok. Faites connaissance à mon frère, le futur roi du royaume de Mouvité, le prince Jimmy Kay. Ok, ce sont mes amis, Sandra et Jenny. Heureuse de vous connaître, mon prince. Ok, content de vous voir, très belle dame. Hein? Nessie, je me préparais déjà pour une réunion. Hein? Oui, je pense que les filles, nous pourrons y échanger demain. Ou peut-être déjà le week-end. Ok, d'accord? Pas de problème. Alors, passez une bonne journée. Pourquoi ne trouves-tu pas à tes amis quelque chose à boire? Oui. Bye, ton frère. Oui, mon alors, prince. Viens m'accompagner. Attendez quelques minutes, je vais trouver de quoi manger. Ok, chérie. Écoute, bébé. Voyons ce qui se passe, c'est ce que tu dois vraiment faire. Hein? Et tu es sûre que ça va marcher? Es-tu en train de demander? Donc tu ne me crois pas? Parce que j'ai peur. Écoute, va juste essayer, ma chérie, et tu viendras témoigner. Vraiment? Aie confiance en moi. Oh chérie. Mon amour. Babe. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ah ouais, c'était bien. Je te présente mon ami. Tessie, et je l'appelle Tibébé. Tibébé, je te présente mon prince charmant. Ravi de vous voir, monsieur. Le plaisir est pour moi. Toutefois, j'étais sur le point de partir avant votre entrée. Alors, je vous verrai prochainement. Vraiment? J'espère que je n'ai rien interrompu avant. Non, pas du tout. Ok, j'espère que tu vas vous faire quelque chose. Oui, bien sûr. Laisse-moi l'accompagner au portail. D'accord, c'est bien. Bye. Merci, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Allez, il est beau. Franchement, il est très beau. Allez, va-t'en, on y va. Écoute ce qu'elle raconte. Oh, non, mon frère, tu as vu, je t'avais dit, non? Si on faisait le marketing mobile, tout va aller. On ira même au marché. Sûr, tu as vu l'expérience. Mobile. On va faire ça tous les jours, tu verras. Je ne serai pas fatiguée. Hein? Moi, je suis une fille très forte. Tous les jours, je vais me promener comme ça. Et maman a dit, oh Bélé, c'est pas bien, non? Regarde maintenant. Attends, je l'appelle. Maman! Hey! Maman, laisse-moi l'informer. Maman! Maman? C'était comme de la magie. Nous sommes de retour. Maman, nous voici de retour de la vente. Hey! Mon Dieu. Hey, Amaka. Grand frère. Prends ça. Maman! Qu'est-ce qui s'est passé? Prochainement, ne m'interdis pas d'aller vendre le vin de palme. Ne m'interdis pas parce que je ne vais pas écouter. Maman? Hey! C'était hey! De la magie. Hein? Sais-tu que nous ne sommes même pas arrivés au marché, mais nous avons déjà vendu tout le vin de palme. Dis-lui! Non, arrêtez de me dire ça. Maman, c'est à moi qui ai couché l'idée de marché mobile. Marketing mobile. Hey! Maman, regarde, non? Nous ne sommes même pas encore arrivés au marché. Nous avions tout fini. Il fallait voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu sais, grand frère, cet endroit-là, ce n'est pas le marché des Guillemets. C'est un petit marché comme ça. Maman, tu devais voir comment les gens se bousculaient. Ils se chamaillent même. Nous allons se m'acheter chez la sœur de Obeléo, sa sœur O. Elle, c'est Amaka O. Si ce n'est pas chez Amaka, nous n'allons pas acheter chez d'autres personnes. C'est seulement Amaka. Nous allons tous attendre. Maman, c'est vin de palme. Pium! Hein? Ils se sont mis en ligne. Et nous avions commencé le travail. Bien, tout est fini. Mais c'est j'ai tout vendu. Tout, maman.
Maman, tu sais, ce que nous pensions être un inconvénient est maintenant devenu un avantage pour nous. Hein? Tu peux me croire. Hey! Maman? Ah, dans ce cas, il n'y a personne qui vous a soupçonné? Non! C'est à moi que tu demandes? On ne vous a pas questionné? Non, non, ils sont contents. Ils ont dit qu'ils vont acheter que pour moi. Et puis, il y avait plein de gens avec le vin de palme là-haut. Ils ont acheté pour moi. Tu ne me comprends pas? Ok. Dans ce cas, tu dois demeurer là. Dès que vous produisez la marchandise, tu pars à ton coin. À côté de l'école, là. C'est là que je vais partir. J'ai déjà dit aux grands frères. Comme ils aiment que je leur vende directement, lui sera le faiseur de vin et moi, la vendeuse. Donc, lui, les travailleurs, moi, la patronne. Oui, marché conclu, non? Hey, la caisse sera fermée bien haut. Maman, j'ai très faim. J'ai déposé quelque chose pour vous sur la table là-bas. Maman. Hein, en entendant que je prépare la nourriture. Maman, pourquoi tu te déranges de ces gars? Tu ne le connais pas, alors il ne fallait pas manger cette nourriture. Tu n'allais pas lui donner cette nourriture. Qui l'a tué, le foufou? J'ai vraiment besoin de bien manger. J'ai très faim. Ne t'inquiète pas, va d'abord prendre celui-là. Calme un peu, le temps que je finisse. D'accord, maman. J'ai t'obéi, maman. Maman, dans tout ça, maintenant, maman, tu ne vas plus m'interdire d'aller vendre encore le vin de palme. Ne m'interdis plus, oh. Je ne peux pas oser. Au revoir, maman. Hey, Mba. Avec tous ces mondes qui sont dehors, personne ne les a questionnés. Personne ne les a insultés. Mba. C'est grave, ça. Cette fille a quelque chose. Oh, mon Dieu. Ha! Oh, Dieu. Tu vas bien? Je suis heureuse que tu aies fait ton choix. Nous allons quitter cette ville. Parce qu'il n'y a pas la vie, au fait. C'est moi, tu as raison, non? Quand on aura ça, on quittera cette ville. Sérieusement, les amis, je suis vraiment content de vous toutes ici. Waouh! Oui, mais regardez-vous. C'est vraiment bon, vous voyez? Je suis contente que tu sois amusée, je te l'avais dit. Ce sont mes amis. Et je sais de quoi l'une d'entre elles est capable de faire. Je peux voir ça. Vous savez, nous devons remplir cette table. Nous devons remplir cette table de boissons. Au serveur! Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur Amen. Soit loué. Vous savez que vous serez toujours le bienvenu ici. Bon après-midi. Bon après-midi. Désolée. Maman. Ah, s'il te plaît. Pourquoi ne nous rejoins-tu pas pour qu'on prie ensemble? Viens te joindre à nous. Il veut prier avec nous. Ok, maman. Même si nous n'avons pas gêné. Mais on peut prier. Mais entrons à l'intérieur. Pourquoi ne pas entrer à la maison? Non. Nous avons beaucoup d'endroits où nous devons passer, alors essayons de prier juste ici après que nous partions. Bon, si tu le dis, pas de problème. Izzy, elle c'est Amaka, elle reste avec moi. Mais présentez-vous aussi envers elle. Aide à vous connaître. Nous venons du ministère du Tarsus. Notre mission ici est de faire croire aux gens que le paradis existe. Oui, nous sommes au courant que nombreux de personnes passent par de combats dans la vie qui leur font douter de l'existence de Dieu. Et nous savons qu'avec Dieu, tout est possible. Raison pour laquelle nous sommes ici pour prier avec vous. Bienvenue, hein?
L'homme de Dieu, je peux te poser une question? Ah, pourquoi pas? Mais vas-y, pose. Je me demandais pourquoi Dieu permet que des gens bien puissent subir beaucoup de souffrances, tribulations et douleurs. Ma sœur, écoute, Dieu est Dieu. Et aucun mortel ne peut le questionner. Selon le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui nous dit « Priez sans cesse ». Alors nous devons tout laisser à Dieu au travers des prières. Tu m'entends? Ma sœur, j'aimerais que tu donnes à Dieu l'opportunité de venir dans ta vie. Écoute-moi. Hein? Frère Paul et la sœur Lizzie, ils sont de vrais chrétiens. Hein? Ils sont de vrais enfants de Dieu. Dieu les a utilisés pour venir m'affermir. Si ce n'était pas, et on allait déjà m'enterrer il y a quelques mois. J'avais juste fait ce qu'ils sont en train de te dire maintenant. Je te dis, Dieu est fort et il a fait pour moi un miracle. Et pour toi, je crois que tu dois te donner à Jésus. Tu m'entends? Es-tu prête de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur? Oui, qu'est-ce que je peux faire? Oh! Oh, bien. Alors, pouvons-nous juste prier? Allez, dépose ça. J'aimerais qu'on soit ensemble. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que vais-je tomber? Non. Comment les grands mascottes peuvent tomber, hein? Je sais celui que j'ai avec. Je sais ce que je bois. Ce n'est pas un vin comme celui d'Amaka. Hein? Ça, ce n'est pas comme tout autre vin. Attends, ça, c'est quel vin? C'est le whisky. C'est pour les grands hommes. Hein? Les hommes comme nous. Ce n'est pas ordinaire. C'est celui qui me donne la force. Pour être toujours fort. Hey! Si quelque chose me fait tomber, je vais perdre mon élection. Je vais perdre l'élection pour être président. Devenir leader des jeunes de ce village. Moi, Achuku. Achuku, le grand mascotte. Hein? Moi, Achuku, tout puissant. Achuku, c'est quoi encore ma nouvelle chanson? Aïe! Je chante pour qui? Kiru? Non. Pour Igwe. C'est fini pour Igwe. Maintenant, c'est pour le prince. Je suis tombé, moi, Achuku. Je suis tombé, pourquoi? On ne va pas me voter. Comment je peux m'allonger par terre comme ça, moi, Achuku? Hey! Arrêtez-vous là-bas. Arrêtez-vous là-bas. Où est-ce que vous partez à deux? Où est-ce que vous partez à deux? Hey, regarde-moi ça. Je perds ta tête. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu nous déranges toujours. Je vous ai presque fait peur. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Écoutez, je vais vous répondre. Dans tout ce village, je suis Achuku. Achuku, le grand mascotte. Je suis Achuku, le grand mascotte. L'homme fort. Mes deux yeux vous voient, tel que vous êtes. Hein? Écoutez, je vais vous dire. Je sais déjà là où vous partez. Tu le sais? Je sais. Mm-hmm. Écoutez-moi maintenant. Hein? Je vous conseillerais de rentrer chez vous. Hein? Là où vous partez. Je veux dire, là où vous partez à présent. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour vous. Pourquoi es-tu ici en train d'écouter ces fous? Allons-y. Vous m'appelez un ivrogne? Vous m'appelez un ivrogne, le seul homme qui a fini ses études. Allez-y. Un homme humble qui a fini ses études. Juste pour se focaliser à ma bouteille. Vous m'appelez un ivrogne? Vous essayez de me dire que les gens qui ont commencé à faire ce vin sont fous, sont inutiles. Partez, vous viendrez me trouver ici. Moi, Achuku, je suis ici en train de boire mon vin pendant que je vous attends. Achuku, Nukumowe, Mayokowe, Nukimekidie. Oui, entrez. Oui, salut ma soeur. Comment tu vas? Ça va, comment vas-tu? Oui, ça marche. Mes amies sont en bas et elles sont venues te voir. Oh, je suis très fatiguée que je ne veux pas descendre.
Mais c'est toi qui m'avais demandé de les inviter ici. Et tu sais, si je pars leur dire cela, elles penseront que tu ne veux pas le voir. Je ne veux juste pas descendre, je suis très fatiguée. Ok. D'accord, mais pourquoi ne pas les inviter dans ta chambre? Tu ne veux juste pas abandonner. D'accord, amène-les ici. Merci. D'accord, je vais me dépêcher. D'accord. Ah, ma chère, écoute, je prie que tout se déroule mieux, parce que je ne vais pas venir ici pour gaspiller mon temps pour rien. Espérons seulement, je crois qu'il va revenir. Oui, oh. J'espère seulement qu'il me choisisse. Oui, oh. Salut. Ok. Salut, princesse. Je vous connais, vous avez ouvert grandement vos oreilles. Dis-nous. Ok, devinez quoi? Quoi? Si tu es pensé que je ne suis pas forte en devinette. Comment doit-on deviner? Où est le prince? Ok, le prince est vraiment fatigué maintenant. Mais il m'a demandé à ce que je vous emmène dans sa chambre. Waouh! Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que tu attends encore? Ok, vous savez, en ce moment, les filles, vous devez très bien jouer vos cartes. D'ailleurs, je n'ai pas à vous enseigner ce que vous avez à faire. Voyons, ma princesse, vous avez fait votre part et laissez-nous s'occuper du reste. Oui, c'est vraiment ça. Allons-y. Ok. Grand frère, hein? Elles sont là. Bon après-midi, mon prince. Salut. Salut, mignonne fille. Comment vous allez? Nous allons bien. Merci. D'accord. Ok, une présentation très rapide. Elle, c'est Sandra, la jolie dame avec une très belle silhouette. Et voici Jenny. Salut, Jenny. Kay. Sois la bienvenue dans le palais royal. Merci. Mon prince. Ok. Permettez-moi de vous servir quelque chose à boire. Oh! Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici, je vais aller chercher en bas. Mon prince, vous avez l'air fatigué, est-ce que ça va? Oui, je suis vraiment fatigué, tu as raison, je suis très très fatigué. Ok, alors vous voulez un peu du massage? Vous en avez besoin? Profite aussi de ces moments. Vous allez vous sentir mieux, je vous promets. Juste relaxez-vous un peu, hein? Ne vous inquiétez pas. Stop. À quoi ça sert tout ceci? De l'harcèlement sexuel dans le palais. J'essaie juste de vous donner un petit massage. Je dis stop! Mon prince... C'est pour ça que vous êtes venu ici? Calme-toi. Vous savez quoi? Sortez! Je veux que vous sortiez de ma chambre maintenant avant que je ne demande aux gardes de les faire. Mon prince, sortez! Mon prince, calme-toi. Nous allons partir. Êtes-vous morte ou sourde? J'ai dit sortez! Mais mon... Et je ne veux plus vous voir ici, plus jamais! Quoi? Comment tu évolues? Maman, tu ne vas pas y croire. Toute chose est en train de marcher selon le plan. Vraiment? Et donc, il y a l'espoir? Évidemment. De ma perspective, je pense que le prince Jamiki tombera avec elle. Vraiment? Il les apprécie déjà. C'est génial! J'ai maintenant besoin qu'ils puissent en taper une. Oh, c'est bien. Nous partons. Juste comme ça? Ah, il y a quelque chose qui ne va pas? Votre Altesse, le prince est le mieux placé à répondre à cette question. Je n'ai jamais été insultée de la sorte toute ma vie comme le prince vient de le faire. Non. Hein? Quoi? Attendez, revenez. Non. Maman!
Qu'est-ce que c'est? Je dois aller voir. Tant mieux. Ah ah, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu sûr que tout va bien? Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pu énerver mes amis comme ça? Alors écoute-moi, je suis vraiment déçu de toi. Je suis totalement déçu de toi. Comment peux-tu avoir de telles sitoches comme amis? Ça ne fait pas de toi une très bonne femme. Ce sont ces genres de femmes qui veulent coucher avec un homme pour gagner son cœur. C'est vraiment une déception totale de la féminité. Elles ont essayé de te séduire? N'agis pas comme si ce n'était pas votre plan. Non, je ne l'ai pas planifié avec elle. Tu dois vraiment me croire, je n'ai aucune idée. J'en suis désolée. Je vais te pardonner. Mais tu dois prendre tes distances de toutes ces sitoches. Elles sont très mauvaises et la mauvaise influence. Je le ferai et nous devons juste arrêter ces sujets. J'en suis désolée. C'est très bien, tu peux juste sortir. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Eh oh, regarde-moi, vous m'appelez un ivrogne. Vous savez la raison? La raison, c'est parce que les puissants hommes à qui je marche avec, vous voyez cet homme important. Si tu me demandes de faire le choix entre l'université, l'étranger, Londres, les États-Unis, et tu es cet homme, je vais choisir cet homme. Il y a un homme puissant à moi. Ah, tu... Hey, vous êtes revenu. Vous êtes revenu, je l'avais dit, hein? Je l'avais dit. Je vous avais dit que vous irez là-bas, vous allez revenir et me trouver ici. N'ai-je pas dit? Hein? S'il te plaît, les hommes, c'est fou. Hé, moi, un homme stupide. Qui est-ce que vous appelez stupide? Écoutez, laisse-moi vous dire ce que vous ne savez pas. Je vais vous dire ce que vous ne savez pas. Je suis heureux. En plus, j'ai un sentiment de joie. Vous voulez savoir les raisons? Vous voulez savoir les raisons? Je sais que le prince de ce royaume ne tombera pas à votre piège maléfique. Hein? Honte à vous. De toutes les façons, honte à toi-même. Hein? Honte à toi-même. Ok. Honte à moi, écoutez. Honte à moi, hein. Écoutez, le prince ne vous épousera jamais. Ça ne vous convient pas pour devenir le futur reine de ce royaume. Ça ne vous convient pas pour devenir le futur reine de ce royaume. Vous êtes des inutiles. Vous êtes incapables. Des incapables. Hein? Achetez le vin de palme, frère. Excuse-moi. Excuse-moi. Mon ami. Hein? Tu dis quoi? Non. Ici, on ne l'appelle pas mais, on l'appelle Maya. Et c'est le vin de palme que tu as là-bas, n'est-ce le pas? Le vin de palme. Je te connais, Amaka. J'ai beaucoup entendu de toi. Hein? Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on t'a dit alors de moi? Tu veux acheter? Celle-là est bon. Vraiment délicieux. C'est bien frais et peu sucré. Je sais, on m'a parlé beaucoup concernant ton vin. Vraiment, c'est un bon vin, tout frais. Que je le goûte un peu. Voici ma bouteille. Remplis-la. Remplis-la pour moi. Je vais renverser à l'intérieur. C'est donc, bien. Je veux te mettre. Mon ami, donne-moi d'abord l'argent. Oh, écoute, laisse-moi te dire, si tu me connais bien, si tu connais Atuku, tu sauras que l'argent, ce n'est pas mon problème. Je suis ami de l'argent. J'ai l'argent. Arrête ça, donne-moi d'abord l'argent. J'ai une grande connaissance au palais. Je suis tellement connu. Je suis vraiment connu. C'est ça. Donc, tu veux dire que tu vas m'amener au palais pour vendre mon vin? Pourquoi pas? Remplis là. Achiko. Laisse-moi chercher mon argent. Achiko, où est mon client? Ça, ce n'est pas l'argent. Regarde, est-ce que ceci semble à l'argent que j'ai? Ok, c'est autre chose, parce que je sens déjà la douleur. J'essaie un peu d'arranger ces trucs. Ami. Qu'est-ce que c'est? Tu aimes ceci ou l'argent? Achiko, si tu n'étais pas mon ami, j'allais te donner une bonne gifle maintenant. Ne me gifle pas. Est-ce que tu sais la raison? Il y a de celles qui aiment ceci de plus que l'argent. Comment elles vont vivre? Comment est-ce qu'elles peuvent survivre sans cet homme? C'est un homme puissant dans les combats. Si tel est le cas, laisse-moi chercher l'argent. Ok. Achiko. Ok, je l'ai trouvé. Oh, c'est ça, je l'ai trouvé. Je t'avais dit que j'ai l'argent. D'ailleurs, c'est combien que tu as dit? C'est 200 naira. Pas de problème. Ami,
Hein? Si tu veux que je boive ton vin de Pâques, promets-moi de ne pas faire comme ces stupides filles. Tu vois ces filles? Elles ont... Elles sont comme des putes. J'ai l'argent. Je l'ai. Tu vois, je t'avais dit que moi, Ochuku, je ne suis pas un homme grand. Tu ne sais pas que les gens m'inspirent pour devenir le futur roi de ce palais. J'ai refusé. D'ailleurs, les autres m'ont demandé si je peux devenir Onohu. Je dis non, je ne peux pas devenir Onohu. Tu sais les raisons. Tu sais les raisons. Ochuku est grand que ça. Seule personne que j'ai abandonné le... J'ai résilié mon travail. J'ai choisi d'être un ivrogne. Volontairement. Je l'ai fait volontairement. Maintenant, laisse-moi te dire, calme-toi. Ok. Donne-moi non. Ah. Tu veux l'argent ou ceci? Ceci. L'argent. Ok, l'argent. Oui. Parce que ça, c'est les affaires. Je sais que si je viens à ton bureau... tu es mon ami. Oh. Voilà pourquoi je m'étais... Tu me donneras quelque chose meilleur que ça. Oh. Maintenant, entre choisis l'argent, celui de la main gauche ou droite. Donne-moi non, tu me fais perdre de temps. Bon, ça va, donne-moi ça. Tu veux ça? Ça. Je ne te donne pas ça. Non, ça. Ma monnaie, je valorise ma monnaie de plus que même cet argent. Je vais te donner ta monnaie. Achuko, prends s'il te plaît, je te rends la monnaie. C'est très bon. C'est moi. Ce vin est très bon. C'est moi, non? Hey, c'est la raison pour laquelle les gens parlent toujours à ton sujet. Achuko. Sinon, d'ailleurs, je devais résilier mon travail pour signer un contrat avec toi. J'ai besoin de se focaliser à ta vie. Annie, tu pars déjà? Tu pars déjà? Ma monnaie, je ne joue pas avec ma monnaie. Je ne joue pas avec ma monnaie. Achuka. Ami, les jeunes de ce village, tout le monde saura ce qui se passe ici. Mais tu es mon ami, non? Je ne suis pas ton ami, donne-moi ma monnaie. Ami, j'ai besoin de ma monnaie. Donne-moi ma monnaie. Ok, permets-moi de te donner un... Ne me donne pas le vin, ma monnaie d'abord. Si tu veux me donner le vin, d'abord ma monnaie. Je t'avais dit de changer cet argent. Je t'avais dit. Mon patron des patrons. Mon patron est le plus beau. Mon très cher patron. Comment vas-tu? Oh, mon amour chéri. Oh, bonjour. Bienvenue, bébé. Comment vas-tu? Bienvenue. Ah, merci. Bienvenue, monsieur. Oh, est-ce que tu pars déjà? Oui, monsieur, j'ai un rendez-vous très, très important. Ah, vraiment? Alors que moi, je pensais que tu allais passer un peu de temps avec nous pour que je puisse te connaître. Peut-être prochainement, monsieur. Ah, ok, ça ne dérange pas. Bien. Prochainement, monsieur. Ah, d'accord, c'est très bien. Ouais, je t'aime aussi, bébé. Mon amour, pourquoi tu ne te rafraîchis pas et passes à la table? Je suis pas intéressé par ta nourriture. Bébé, je ne comprends pas. N'as-tu pas faim ou as-tu mangé dehors? La nourriture, c'est ce que je disais. Tu as écouté? Je ne comprends pas, chérie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a quelque chose que tu dois me parler. Je t'écoute. Je ne comprends pas, chérie. Je n'ai rien à dire. Regarde. Peux-tu rapidement m'avouer et me dire tout ce que je suis censé savoir maintenant? Je ne fais pas semblant. C'est moi, chérie. Je n'ai rien à te cacher. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends rien du tout. Peux-tu me parler ouvertement tout ce qui était arrivé dans cette maison? Bon, je sais que tu as le courage de me le dire. Chérie, je ne comprends rien. Mon amour, tu m'as beaucoup manqué. Tu me manques énormément aussi. Oh. Quoi? Comment tu peux dire ça lorsque tu vis avec un homme? Sincèrement, je ne suis pas du tout engagée dans tout ce qui se passe entre nous deux. Je ne reste ici que pour l'argent. Mon amour,
Qu'est-ce que c'est? Tu mens et tu le sais bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que ton cœur dit autre chose et ta bouche dit autre chose. Pour moi, tu l'aimes. Non, je ne l'aime pas. Je suis avec lui par semblant, juste pour avoir ce dont j'ai besoin, tu vois? Sérieusement. Allez, arrête. Oui. Tu sais que je t'aime, non? Je t'aime aussi. Allez, doucement, doucement. Tu m'avais dit qu'il avait laissé l'argent là-bas au-dessus. Pourquoi n'est pas monté pour me donner ma part? Profitons d'abord de nos moments de qualité. Je te le dirai après. D'accord. Okay. C'est la somme que tu m'as demandée, tiens. Bébé, tout ça pour moi? Oh oui, ça ce n'est rien. Tu sais que moi je ne sors pas avec n'importe qui. Je suis une femme de haute qualité. Oui, je sais. Et j'ai très confiance en toi. Tu sais, à cause de ça, hein? Je te ferai une surprise. Une surprise? Oui. Waouh, j'en ai hâte. T'inquiète, tu en auras chérie. C'est moi qui t'ai vomi. Oh waouh. Ok, vas-y. Bébé, prends ça. Ça se quoi? Prends une bonne quantité. Mets ça dans la nourriture du prince Ezo. Quoi? Tu verras prince Etoy. Il deviendra comme un chien. Et tu vas commencer à l'emmener partout où tu voudras, ma chérie. T'inquiète. Es-tu sûre de ce que tu dis? Donc tu n'as plus confiance en moi? Waouh. Tu vois tout ce que je te donne? C'est très très reproductif, oh. Ça donne des très bons résultats. Wow. Tu vas m'appeler plus tard pour me remercier, ma chérie. Tu vois cet argent-là que tu m'as donné? Ça sera encore très facile. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Et j'espère que ça va marcher. J'ai confiance en toi. s'il te plaît, hein. Il ne doit pas le voir. Ok. Ok, alors, cache ça. Bien sûr, très bien. Allez, viens. Ma chérie, oh, je t'aime. Merci beaucoup ma chérie. Je sais que je t'aime énormément. Donc, tu vois ce que tu fais. Tu vois, j'avais bien suspecté les mouvements. Une visite fréquente, ah, c'est pas normal. Et j'ai mes caméras ici, je vous observe, les gars. C'est ce que vous faites. Le problème est que tu prétends que tu es innocente. Tu sors de ma maison maintenant. Non, bébé, s'il te plaît, non, chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Non, et Seigneur Jésus, bébé, s'il te plaît. Ah, non, non, ce n'est pas possible, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Ah, bébé, je t'en supplie, s'il te plaît, non. Bébé, ne fais dégage, pas ça. Dégage, dégage. Non, ne jette pas mes bagages, chérie. Dégage de ma maison, bébé, je t'ai dit, dégage. Jamais, je te prie, garde, viens, viens. Oh mon Dieu, chérie. Écoute, je ne veux plus voir cette femme ou garçon dans cette maison. Chérie, dégage. Non, chérie, ne me sors. Pas ça, chérie. Démon. Ne me touche pas. Sors. Pitié, non, bébé. Dégage de ma maison, chérie. Sorcière. Madame. Bébé, laisse-moi. Chérie. Madame. Non, ce n'est pas vrai, plaît, madame. Mon Dieu. Partez. Je suis finie. Non. Non, chérie, je t'aime. Et je t'aime pour de vrai. Je t'aime énormément, chérie. Chérie, crois-moi, je t'aime. Madame, s'il vous plaît, continuez. Mon Dieu. Mon patron m'a demandé de vous mettre dehors. Pardon, venez partir, s'il vous plaît. Non. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami m'a foutu dans un pétrin. Oh. Et mon Dieu, est-ce que je vais commencer par ici? Ce n'est pas la faute au patron, non. C'est votre faute à vous-même. Oh mon Madame, Dieu. Madame, c'est vous qui avez merdé. Chérie, je t'aime. Crois-moi, je t'aime. Chérie, je ne saurais vivre sans toi, je te prie. Madame, donne-moi venez encore partir, une venez chance, partir. Chérie. Encore une nouvelle chance, chérie. Non, laisse-moi, je vais Madame, mourir. Madame, s'il vous plaît, ne mourrez pas ici. Allez mourir où vous allez partir. Par où s'il je vais plaît, commencer. Madame, partez. Hein. Ne vous inquiétez pas pour votre sac, je le porterai pour vous. Hey, pardon, partez.
Aide-moi à parler avec lui. Non, vous n'avez pas à faire ça, s'il vous plaît. Aide-moi à parler avec lui. Si, je t'aime. Je te promets que ça ne va plus se Madame, répéter. Si pas trop entendez, promis, si l'entendez. C'est promis, je ne le ferai plus. Et je crois qu'il entend déjà tout ce que vous dites. Pardon, Madame, partez. S'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Hey. Je suis finie. Où est-ce que je vais aller? Ah, non. Non, ce n'est pas possible. Madame, vous pouvez partir. Chérie. Désolée, hein. Madame, hein, désolée, ce n'est pas la faute au patron. Vous avez merdé, hein? Madame, désolée, hein? Ce n'est non plus de ma faute, je ne fais que mon boulot. Chérie, hein? Ah, chérie, aie pitié. Hey. Madame, si vous allez comme ça, vous allez trouver des motos. Les motos se trouvent là-bas. Non. Madame, les motos se trouvent là. Allez-y, c'est moi comme ça, vous allez les trouver, hein? Hey, patron, vous prenez celle-ci après celle-là, celle-là après celle-ci, et vous n'arrivez même pas à garder celle-ci, hein? Hein? Non, mais c'est intéressant. Tu veux dire que tu as tout sauvé? Maman, tout ce que j'avais est parti. Aïe. Maman, tu devais voir quand je suis allée au marché. Il faut voir, les clients étaient comme ça, juste, bien debout, attendre à Maka qu'elle l'amène le vin de palme. Maman, ils ont dit qu'ils n'achèteront pas chez quelqu'un d'autre, à part chez Amaka. Oui, non, je suis partie là-bas. Hé, hey, Amaka, tu me vends ça, tu me donnes comme ça. Et d'autres disent, ça c'est le vin d'Amaka, oh. Nous aimons bien le vin d'Amaka. Amaka a un sourire. Amaka fait ceci, Amaka fait cela, Amaka... Maman, hey. J'ai tout vendu, c'était parti comme ça, comme de la fumée fion. C'est oh, vrai. Gna gna. Yeah! Tu es vraiment une bénédiction pour cette famille. Mbam. Tu peux encore le dire. Attends, mon frère, pardon. Est-ce que vous connaissez mon secret dans cette famille? Tu peux nous le dire. Ok. Chaque matin, quand je me lève, je prie mon Dieu. Je lui dis ceci. Mon Dieu, le Dieu miséricorde, c'est toi qui as tout créé, oh. Pardon? Aide-moi et donne mon frère Oubélé beaucoup de vin de palme. Et comme ça, j'irai vendre. Tu sais quoi? Dieu me répond. Regarde, non? Je veux, je vends et je reviens. Hey! Mon Dieu, je te remercie. Oui. Il ne fait que répondre à nos prières. Oui. Amen. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas arrêter notre prière matinale. Et chaque nuit, nous devons toujours prier avant de dormir. La prière est une clé spirituelle. Mbam, tu as bien dit. Tu as entendu ça? Moi, je veux qu'il expérience, non? Je vous l'ai dit. Regarde, grand frère, tu sais, les gens là me disent maintenant, Amaka, ton vin de palme n'est plus beaucoup, non? Ce n'est plus assez. J'apporte. Il faut ajouter la quantité. Amen. Alors quand tu iras, Dieu va ouvrir les portes pour toi. Tous ces palmiers-là vont multiplier le vin de palme pour toi. Hein? Mon frère, ils m'ont dit que mon vin de palme n'est plus assez haut. Je dois encore ajouter la quantité. Quand j'ai tout vendu, il faut voir comment je danse. Amaka, tu dois vendre pour nous. Tu as une belle voix. Amaka, la façon dont tu ris. Amaka, oh maman, je t'ai dit, ça me fait vraiment... Jamiquet. Oui, père. J'aurais appris que tu as chassé les deux femmes qui t'ont été présentées par ta sœur. Pourquoi tu choisisses une femme d'entre elles? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te prend? Sa Majesté, tu aurais dû voir ces jolies filles. Et elles ne sont pas seulement jolies et intelligentes, mais elles sont aussi classiques. Tu aurais dû le voir. Et il les a chassés. C'est quel genre de folie ça? Oui, père, c'est vrai. Ma soeur ici a amené des prostituées au palais. Quoi? Quoi? Oui. Mais que veux-tu dire par ça? Et comment aussi utiliser un mot pareil devant moi? Oui, j'ai utilisé ce genre de vocabulaire parce qu'elles étaient sans manières et elles ne sont pas dignes d'être des bonnes femmes. D'ailleurs, j'étais vraiment déçu de voir que tu avais de telles sitoches comme amie. Jamiquet. Ne m'appelle pas Jamiquet. Papa, ce n'est pas vrai. Les amis que je lui ai présentés sont des filles très sérieuses. Il a juste dit qu'elles ont essayé de lui séduire. Raison pour laquelle il l'avait chassée. Maman, toi et moi savons bien qu'elles essayaient d'être gentilles. Oui, je sais. Ça, ce n'est qu'un gros mensonge. Je te crois, princesse. Je te crois. Merci, papa. Jamiquet. Maintenant, je sais que tu ne veux pas être responsable. Tu ne veux pas être un homme responsable. Elles avaient l'intention de me séduire. Bien sûr que oui, elles essaient de me séduire, père. N'es-tu pas un homme? Qu'est-ce que tu veux dire?
Comment peux-tu voir les avances d'une femme comme étant une offense? C'est là maintenant. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Oh, Jamike. Jamike. Maintenant, je sais. Je sais que quelque chose est en train de clocher. Alors toi, toi et Izu, vous deux voulez que ces trônes quittent ma lignée. Marine, es-tu en train de voir ce qui se passe? Peux-tu voir ce qui est en train de se passer? S'il te plaît, mon mari. Ils veulent que ces trônes quittent ma lignée. Et m'embarrasser même devant mes ancêtres. Est-ce que c'est bien? S'il te plaît, mon mari. Est-ce que c'est bien? Les dieux de notre terre. Les dieux de notre terre. Pourquoi m'aviez-vous donné de tels enfants? Ces gens d'enfants, vraiment. Pourquoi? Papa, est-ce que ça va? Mon roi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quoi? Jamie, appelle le docteur! Père? Père, mon téléphone. Mon téléphone. Si quelque chose arrive à mon meilleur ami, je te le pardonnerai jamais. Mon mari. Maman? Mon mari. Jamie, fais vite! Oui, allô, mon frère. J'espère que vous allez bien. Quoi? Comment ça? Ok, je viens maintenant au village. Oh mon Dieu. Patron, bonjour. Secrétaire, tu annules tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. Quelque chose a mal tourné. Ok, Lee. Oui, monsieur. Prends soin de ma maison, ok? D'accord, monsieur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom glorieux de Jésus. Amen. Nous te remercions beaucoup pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te remercions de nous avoir donné le souffle de vie. Nous te remercions parce que tu es bon. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu vas faire pour nous. Que la gloire et l'honneur reviennent à ton nom glorieux par le nom de Jésus. Amen. Père, nous te demandons de s'élever devant nous et de contrecarrer tout le plan de nos ennemis. Père, nous nous confions en toi parce que nous savons que tu es le seul et unique protecteur. Père, voilà pourquoi nous nous remettons à toi par le nom. Amen. Nous te demandons de bénir toutes nos activités. Père, mon Dieu, je te demande de bénir mon frère. Que là où il part, mon Dieu, qu'il puisse revenir avec beaucoup, beaucoup de vin de panne par le nom. Amen. Père, bénis-moi aussi pour que j'aille vendre et finir tout mon vin de palme, que je finisse aussi avant et je sais que nous allons glorifier ton nom par le nom de Jésus. Amen. Ah, amen. Merci Jésus. Merci Maman, Jésus. Maman, grand frère, je pars préparer quelque chose. Comme ça, je serai prête à sortir pour la journée. Je sais. Passe une très belle journée, d'accord? Tu vendras énormément. Avec moi, c'est pam pam. Nem. Maman. Que la faveur de Dieu te suit partout où tu seras. Amen. Amen. Merci, oh, maman. Bon. Oh, grand frère. Je pars. Oh. Tu vendras énormément. Hein? Quelque chose arrive à mon mari. Maman, le docteur est là. Docteur. Docteur. Comment va mon père? Je suis désolé. Désolé. Sa situation n'est pas encourageante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Docteur, est-ce que notre père va se rétablir? Dis-le-nous, s'il te plaît. Il est ce que nous avons. Fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour le sauver, s'il te plaît. Docteur. Docteur, s'il te plaît, fais-le pour mon mari. Si quelque chose arrive à mon mari, je suis finie. Oh. Je ne te pardonnerai jamais.
Je ne te pardonnerai jamais. Mais arrête de parler de cette façon. Rien n'arrivera à mon père. S'il te plaît. Ma reine, calmez-vous. Calmez-vous. Vous voyez, il y a un traitement particulier que Sa Majesté est censée suivre pour améliorer son état. Mais je vais aller à l'hôpital pour récupérer ces médicaments. S'il te plaît, docteur Félé. Je reviendrai bientôt. Non, non, ne vous inquiétez pas. Et je vous rassure qu'il ira mieux. S'il te plaît, fais rapidement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Jamike, mais... si quelque chose arrive à mon mari, si quelque chose arrive à mon mari, tu n'aimeras pas ce que je te ferai. Si tu t'avais déjà marié, si toi et ton frère vous étiez déjà mariés, votre père n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau. Vous, je ne vous pardonnerai jamais. Jamais. Je ne vous pardonnerai jamais. Maman. Hey, Ami, viens. Ami, ma meilleure vendeuse. Ami. Achoukou, mon meilleur ami. Oui, Ami, j'ai besoin d'acheter le vin de Dosanera. Mais avant ça, donne-moi un gobelet plein pour goûter. Achoukou, hein? Mon vin de palle est fini. Hein? Mon vin est fini. Comment? Et tu me dois encore où? La dernière fois que tu avais pris mon comment vin, est-ce possible, que tu m'as déjà payé? Ami, comment tu peux dire que je te dois l'argent? Comment tu peux dire ça? La dernière fois, si tu m'as donné l'argent. Hein? Je vais te donner. Donne-le-moi. Donne-moi d'abord le vin. Donne-moi le vin, Ami. Achoukou, celle-ci est déjà. Eh, mon prince. Mon prince. Bienvenue, mon prince. Bienvenue, oh. C'est prince. Quoi le problème? Tu veux mourir? Mon prince, je ne vais pas mourir. Eh, mon prince, vous ne pouvez jamais me tuer. Vous ne pouvez jamais me tuer. Et si je peux demander, mon prince? Où est-ce que vous allez vite comme ça? Où est-ce que vous allez, mon prince? Achoukou, fais-moi passer, oh. Ami, je te verrai après. Donne-moi mon argent, oh. Quand je vois le prince, j'aurai quelque chose. Bonjour, mon prince. Bonjour. Mon prince, je suis encore là. Mon prince. Viens. C'est elle la fille qui vend du vin, apparemment. Oh oui, mon prince, c'est elle. C'est bien elle, Amaka, la vendeuse de vin de palme original. Elle est vraiment bien connue. Si vous cherchez vin de palme, mon prince, trouvez Amaka. Oh, je vois. Oh oui. Ok, prends pour ton vin préféré. Oh, mon prince. Oh mon Dieu. Mon prince, tout ça okay, c'est pour moi. Maintenant. Oh dégage, mon prince, dégage, prince Igadi, hey prince Obodaye, prince Obodaye, hey prince Igadi, prince Obodaye Igadi, oh. Mes fils, Jamike. Alors, êtes-vous ceux-là qui veulent que mon trône aille auprès d'une autre famille? Père, ce n'est pas ce que tu penses. Comment? Ok. Comment? Ce n'est pas ce que tu penses. À quoi voulez-vous que je pense, Jamike? À quoi voulez-vous tous que je pense pendant que vous avez refusé de vous marier et que vous me donniez des petits-enfants? Est-ce que c'est trop demandé, mes fils? Est-ce que c'est trop demandé de ma part? Essayez de me répondre. Peu importe. Comme vous avez tous décidé de me laisser mourir de honte, et non plutôt comme un homme heureux, pour que je meure dans la joie et dans l'honneur. Papa, arrête ça. Mais rien ne va t'arriver. Tu ne vas pas mourir. Non, tu vas vivre pour nous, s'il te plaît. Hein? J'allais même te surprendre, mais... la fiancée que j'avais, j'ai découvert que c'est une lesbienne. Et tu sais bien que c'est un tabou pour notre royaume. Hein? Nous tous on fait des efforts. S'il te plaît, donne-nous le temps. Dans peu de temps, on te rendra heureux. On veut ramener la fille qu'on est vraiment amoureux, s'il te plaît. Père, ce que mon frère essaie de dire est vrai. Ok, nous devons trouver une très bonne femme. Oui. Ok. Et je t'assure que tu seras en vie quand tu verras tes petits-enfants. Oui. Rien de mal ne va t'arriver. Rien du tout. La même chose. C'est la même chose que vous dites depuis. Voilà.
Mon trône va ailleurs dans une autre famille. Mon cœur. Père, apaise-toi. Père. Père. Papa. Qu'on fasse quoi maintenant? Papa. Qu'allons-nous faire maintenant? Appelle les docteurs. Père. 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 Mon Dieu. Père. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Et je suis finalement heureux que Père soit toujours en vie. J'étais vraiment, vraiment inquiet. Bien. La seule chose qu'on a à faire pour essayer un peu de la retenir toujours en vie est de remplir ses désirs. On ne peut pas voir la force de Père d'un père. Tu le sais bien. Dois-je comprendre que tu veux que nous puissions sauter rapidement sur notre relation pour rendre Père heureux et lui donner des petits-enfants? Ouais. Si tu regardes l'histoire quand on grandissait, tu pourras comprendre que le Père a beaucoup fait pour nous. La seule chose qu'on a à faire est de lui rendre heureux. Comme je le dis, bien, si on peut lui rendre heureux, pourquoi pas on peut le faire? Mais voyons, mon frère, c'est notre bonheur qui compte le plus. Et tu ne penses pas? Tu veux qu'il puisse mourir? Pourquoi pas faire ce qui est juste? Si tu me demandes. Oui, ceci serait vraiment difficile pour moi, en fait. Trouver une fille, tomber amoureux et faire d'elle mon épouse pour la vie. Jamike, bon, je te dirais que tu sais, tu dois prendre ton temps et pour faire le bon choix, on doit vraiment travailler. Dans ce village, est-ce qu'il est vraiment question de... Que tu vas épouser? Tu peux la dire de la manière que tu veux. Tu dois vraiment faire attention, mon frère. Ouais, c'est ça. Bon, à plus tard. D'accord, mon frère. Mon prince, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? Ma maman m'a envoyé aux environs, alors je ne veux pas traîner. Ah, je sais très bien que tu es pressé, s'il te plaît, veux-tu? M'écoute justement parler, je t'en prie. Ok, dites-moi seulement, quel est le problème? Je t'apprécie vraiment. Mon prince, s'il vous plaît, je ne veux pas que je te plaise. Ma vie est remplie de troubles, alors je ne veux pas des problèmes, s'il vous plaît. Attends, attends, s'il te plaît. Regarde, nous avons tous des expériences sur nos vies, ok? Je vécu aussi des choses sur la vie humaine. On ne peut pas laisser ces choses troubler notre futur. Ce qui est important est que nous sommes toujours en vie. Tu ne dois pas vivre toujours dans le passé. Ok? Laisse-moi juste l'opportunité de mieux te connaître. Peut-être on sera des bons amis. S'il te plaît. Mon prince, s'il vous plaît. N'allez pas loin. Comme je l'ai dit, ma maman m'a envoyé aux environs. S'il vous plaît, ne m'aimez pas. S'il te plaît, s'il te plaît. Tout ce que je t'ai demandé est que tu me donnes l'opportunité de mieux te connaître. Mon prince, désolé. Oh. Ok, d'accord. Je vois que tu es tellement pressé. Est-ce que je pourrais t'accompagner au moins à l'endroit que tu es en train de partir? Pourquoi vous insistez? Pourquoi vous êtes... J'insiste. Si tu ne me respectes pas, au moins respecte le prince de ce village. Ok? Bon, je te donne un coup de main. Allons-y. Merci. Je t'en prie. C'est pourquoi je suis ici. Mes sentiments pour elle ne font que grandir. Je supposais que je pourrais vous faire savoir. Vous avez très bien fait, mon prince. Amaka est un exemple parfait de ce qu'une femme devrait être. Et je crois qu'elle a elle-même le plein droit de pouvoir se décider elle-même afin de vous accepter ou pas. Ouais, c'est très correct. Mm-hmm. Je veux parler avec eux. Peu importe ce qu'elle décidera, c'est ce que j'accepterai. Ok. Vous avez très bien fait, mon prince. Très, très bien fait, mon prince. Je vais lui informer lorsqu'elle va revenir concernant votre venue. Et vous savez, tous ces derniers temps, elle va à tout moment au marché. Elle est occupée.
Ok, d'accord. Je comprends, monsieur. Merci, merci. Ah, je dois partir maintenant. Ah, ok, c'est bon, mon prince. Ok. Ouais. Bye bye. Ouais. Ah. J'apprécie ta fille. Ma fille, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Tu ressens quelque chose pour lui? Honnêtement, maman, je pense que c'est un bon homme. Il faut que je fasse plus sa connaissance. Pour l'instant, je ne sais pas expliquer ce que je ressens pour lui. C'est bon. Hein? Juste prends ton temps. Tu m'entends? Prends ton temps. Prends vraiment ton temps. Hein? Prends le temps de bien l'observer. Hein? Sois sûr de prendre une bonne décision. Hein? Prends une bonne décision. Hein? Souviens-toi, tu as assez souffert. Tu dois trouver du repos. Après tous tes problèmes, tous les troubles, tout ce que tu as subi. Hein? Je crois qu'un jour, tu vas tout oublier. Et ma prière pour toi est que Dieu fasse de son mieux pour que toi, tu ailles bien. Hein? Qu'il donne même tout pour ton bien. Tu dois retrouver la joie. Tu as beaucoup souffert. Tu m'entends? Alors, ce que tu dois faire, c'est prier. Tous les jours, entre dans la prière. Hein? Maman. Merci. Merci beaucoup. Oh, allez, allez, c'est bon. Merci pour tout ce que tu fais. Honnêtement, je ne veux pas te remercier assez, maman. Je ne sais comment te remercier, maman. Tu m'as pris comme ta fille, tu m'as élevée, tu m'as acceptée. Allez, ça va, c'est bon. Essuie tes larmes. Ça va aller avec toi. Mon Dieu va te bénir et tout ira mieux. Amen. Je vais continuer de prier pour toi. Tu m'entends? Amen. Sois tranquille, tout ira bien. Notre Dieu est là, ça va aller. Merci, maman. Je t'en prie. J'ai entendu tout ce que vous aviez dit. Je ne veux pas vous décevoir. Non, non, non. Merci. Maman. Oui, maman, je vais à la cuisine faire ce que vous m'aviez demandé. Pas de problème. Prends soin de toi. Merci. C'est bon, il ne faut plus pleurer, hein? Ok, maman. Ne pleure plus. Notre Dieu peut appeler en existence même ce qui n'existe pas. Je vais prier pour toi. Mon prince, qu'est-ce que nous faisons ici? Regarde juste aux environs. Qu'est-ce que tu ressens? Je veux dire, qu'est-ce que tu vois? Ok. Je vois de belles choses. La nature, okay. Le feuille verte. Ces sentiments de fraîcheur. C'est un bel environnement. Merci. C'est ça l'idée. Je t'ai amené ici, tu sais, observer la nature, avoir un peu l'air naturel. Tu sais que la nature ne ment jamais. Ce que je ressens pour toi est grand. Je t'aime, Maka. Et la seule chose que je souhaite est de te faire ma femme. S'il te plaît, épouse-moi. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je serai l'homme le plus heureux du monde. Si tu m'accordes ta compatibilité. Mon prince. Si vous pouvez voir à l'intérieur de mon cœur. Vous allez comprendre que je ressens le même sentiment que vous. Mais je ne peux pas.
Je ne peux pas m'exprimer. Vous êtes un prince. Et je ne suis qu'une simple orpheline. Ouf. Je n'ai personne pour me défendre, tu salé des travers. Amaka. Et ce monde est injuste. Amaka, tu peux pas le dire. Tu es à moi pour te défendre. Notre mode de vie est un peu différent, mais ça n'a rien à voir avec ce que je ressens pour toi. Ça ne sera pas facile que Amaka, tu ne le penses. Regarde, les choses matérielles n'ont vraiment rien à faire de ce que je ressens pour toi. Franchement, la richesse et consorts n'ont rien à faire. Ce que je ressens pour toi est sincère. Ne dis pas ça, je suis là pour te défendre. S'il te plaît, ne dis pas non. Crois-moi, je serai toujours là pour toi. Je m'assurerai toujours que tu ne manques de rien. Arrête, ok? Arrête de pleurer. C'est fini. Et je ne préfère pas ça. C'est qui ce jeune homme qui la tient? Je vois qu'il est près d'elle. Il semble comme un prince. Oteka Genevé, je ne veux pas accepter que ce jeune homme me ravisse à Maka. Jamais. Il a peut-être dû la laver avec la richesse et le statut de sa famille. Oteka, je veux que tu lui fasses quelque chose rapidement. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Si nous pouvons lui projeter quelque chose qui peut faire en sorte qu'il soit mentalement anéanti. Je suis sûr que de cette manière, Amaka va l'abandonner et me revenir. Et je te dirai qu'est-ce que j'aurai pour ces sacrifices. Abotombo. Ofunanya. Je suis prêt de prendre quoi qu'il en soit pour le sacrifice. Agwatombo. Ofunanya. Agwatombo. Ofunanya. Ok. Ok, je t'appelle plus tard. Salut, grand frère. Je pensais que tu allais rester à la maison ce jour. Même si tu es à la maison, c'est un secret après un autre. Tu peux me dire ce qui était arrivé ce jour-ci? Tu ne dois pas tout savoir. Ok, si tu le dis. On se verra à mon retour. Je peux venir avec toi? Non. Merci. Ok, si tu le dis. T'as dit que t'as une surprise pour moi. Oui, mon prince. Dis-moi. Je suis là maintenant. Mon prince, la surprise, c'est la surprise. Je sais, mais nous sommes Saint-Lucie, mon garde, et là-bas dehors. Donc, dis-moi. Je sais de te dire une confidence. Mais je rougis. Hey, dis-moi, tu n'as pas à être timide. Ok. Amaka. Mon prince, j'ai composé une chanson pour toi. Vraiment? Oui. Ah, waouh. C'est très génial. Pourrais-je l'écouter au moins?
Ok. J'aimais la chanson. Oh, c'est très génial. Eh ouais. I am not alone in this life. Everything I'm doing, I catch a good idea. If it's a good guru, non du monde, y'a game. If it's a good guru, non du monde, y'a game. My confidence is in you, mighty God. My success is in you, mighty God. Whatever you say, must surely come to pass. Eh uchimo, muna giseje. Eh uchimo, muna giseje. Tu as adoré? Bien sûr que je le mets. Je mets la partie que tu as dû. Tu n'es pas seule sur cette terre. Oui. Mets cette partie, c'est vraiment touchant. Ok. Merci. Merci. Ife chukukuru, ya kogome. Oui. Je veux que tu fasses quelque chose à ces princes, afin que tout oreille qui l'entendra s'en éloignera. C'est que je veux le faire, ça risque de lui détruire complètement. Détruis-les complètement, pour avoir osé de se rapprocher de ma femme, Amaka. Okosisi, observez-vous à la fin de ces princes. Okokodike. Maintenant, mon prince, ça c'est ma façon de vous dire que j'acceptais votre proposition. C'est un oui. Merci. Pour moi. Merci. Oh, mon prince! Mon prince! Mon prince, qu'est-ce qu'il y a? Prince, mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince! Mon prince! À l'aide! Mon prince! Oh, Jésus! De l'aide! J'ai besoin de l'aide! De l'aide! Mon prince! Mon prince! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis le grand Ortega! C'est moi, Ortega! Demain, c'est très très loin. Oncle à moi, as-tu l'argent pour les esprits? J'ai détruit le prince. C'est bien en tout cas. Et pour Amaka? Je lui ai tout donné sur un plateau d'or. Elle l'a plutôt jeté de travers. Elle va souffrir. Énormément souffrir. Elle est la nourriture. Mais Oteka, mais pourquoi ne pouvons-nous pas directement tuer cette fille Amaka afin de mettre fin à toutes ces bêtises? Tu ne peux pas le tuer. Pourquoi? Ces esprits gardiens ne te permettront pas de le tuer. Mais tu peux la faire souffrir. Tu peux le faire très mal. Mais tu peux pas le tuer. Vraiment? Alors je veux calmement l'observer souffrir. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas où il se trouve. Comment?
Mon fils? Mais où sont-ils? Garde! C'est toi? Viens là! Dépêche, viens, approche! Arrête-toi là! Recule un tout petit peu. Alors, qu'est-ce que tu as dit qui est arrivé à mon fils? Vas-y, dis-moi! As-tu peur? De quoi tu as peur? Votre Majesté, vous devez savoir que tout ce que je vais vous dire, ce n'est que la vérité. Je ne vous mens pas, croyez-moi. Tu n'es pas en train de mentir. Non, non. Tu ne veux pas parler. Je peux voir que tu n'es pas assez prête pour parler. Marraine, c'est bon, c'est bon. Votre Majesté, je veux parler. C'est bon. Ne laisse pas te faire oublier ta royauté. Reviens, s'il te plaît. Je sais comment m'occuper de telles personnes. Ne t'inquiète pas, je crois qu'elle ne t'a pas fait mal. S'il te plaît, va voir là-bas à l'intérieur ce qu'il y a avec notre fils. Je vais gérer tout ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maintenant, toi, regarde-moi. Parle-moi, qu'est-ce qui est arrivé à notre fils? Qu'est-ce que tu as fait à notre fils? Votre Majesté, je jure sur la tombe de mes parents. Je ne vous mens pas. Honnêtement, je ne connais pas ce qui lui est arrivé. Je ne vous mens pas, je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, le prince est tellement gentil avec moi, alors je ne peux pas lui faire du mal. Croyez-moi, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, on était en train de parler d'amour. Je lui ai même demandé qu'est-ce qui lui est arrivé, moi. Votre Majesté. Tu vas rester sous ma surveillance. Jusqu'à ce que je mène des enquêtes sérieuses concernant tout ceci. Si tu es innocente, je vais te libérer. Mais si tu es coupable. Oh, si tu es coupable. Tu regretteras le jour où tu étais née. Votre Majesté, je ne mens pas. Garde, Votre Majesté, enlevez cette chose de ma présence. Emmenez-la. Je ne veux pas la voir. Merci. Et d'où vient-elle d'ailleurs? Et comment peux-tu venir dans ces palais nous causer une telle peine? Mon propre fils. Mon prince. Docteur, comment va mon fils? Votre Majesté, son état est encore très compliqué. Je crois que nous devons faire plus de tests afin de connaître exactement son problème. Je dois aller à l'hôpital afin d'inviter les laborantins pour lui faire plus de tests. Excusez-moi. Mon mari, je ne comprends pas ce que le docteur essaie de dire. Nous ne pouvons pas croiser les bras et voir notre fils mourir. Non, mon fils ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Igwe, je suggère que nous l'amenons dans une très grande hôpital où il peut être bien traité et aussi attentionné. Non. Non. Plus question d'hôpital. Il est temps de faire venir Ezemo. Oui. Seul Ezemo peut révéler ses mystères. C'est bien au-delà de l'ordinaire. Ezemo? Oui. Peu importe, s'il te plaît. Je ne veux pas que quelque chose arrive à notre fils. S'il te plaît. S'il te plaît. Je vais faire venir Ezemo maintenant même. Excuse-moi. Hey! La température de ton corps s'élève toujours.
Hein? Maman, c'est vraiment sérieux. Très très sérieux. Ils accusent Amaka d'être derrière cette maladie mystérieuse dont souffre le prince Izu. Hein? Ce n'est pas possible. Parce que Amaka que nous connaissons ne peut pas le faire. Exactement. Amaka est innocente. On l'a accusée innocemment. C'est vraiment malheureux, maman. Nous ne pouvons pas faire face et essayer de défier la famille royale. Je suis très très profondément inquiet pour Amaka. Que pouvons-nous faire pour elle? Je pense qu'il faut appeler Propos. Oui, appelle-le parce que nous devons prier. Nous allons prier et Dieu va intervenir. Tu as raison, maman. Je crois que je dois l'appeler immédiatement. Sa Majesté, aisez-moi. Ça, c'est une attaque spirituelle. Ce n'est pas ordinaire. Et ça vient de loin. Il voulait tuer votre enfant. Que le Dieu nous épargne de tel mal. Qui sont-ils ces gens qui veulent tuer mon fils? Et que leur a-t-il fait? C'est ce que j'essaye de comprendre, Majesté. Aisément, tu dois essayer de découvrir. Essaye de découvrir qui veut tuer mon fils. Je ne veux que rien ne lui arrive. Rien ne va arriver à votre enfant. Ça peut être difficile. Mais il serait mieux. C'est exactement ce que je vais entendre. Je veux vous remercier, toi et les dieux, d'une manière spéciale. Si tu fais que mon fils se sente mieux. Sa Majesté, Bakanaga Mozo, Manozo, Gana, regarde et vois. Mon cher Dieu, je suis désolée si je vous ai fait du mal. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonne-moi et sauve le prince Abegouna, je t'en prie. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Si tu fais ça pour moi, je vais vous servir le restant de ma vie. Pardonne-moi, oh mon Dieu. Pardonne-moi et sauve le prince Dieu, je vous en prie. Arrête de faire de bruit et de déranger tous ces palais. Plutôt prie que rien n'arrive à notre prince. Prie ton Dieu et demande-lui qu'il restaure la vie de notre prince. Sinon... Je vous salue, Majesté et la Reine. Oui, salut. Longue vie à vous, ma reine et mon roi. Vous êtes le bienvenu. Merci. Et pourquoi êtes-vous venu ici? Je ne suis pas trop de bonne humeur, alors vous feriez mieux d'aller droit au but. Majesté, je sais à propos du prince, celui qui est malade. Et l'allégation de cela était causée par la sœur Amaka. Nous ne savons pas ce que cette fille a fait à notre fils. Ma reine, je partage votre douleur.
Mais cette fille n'est pas responsable du problème qui dérange le prince. Si cette fille n'est pas responsable de la maladie, alors qui est-il? Ma reine, ça vient des entités diaboliques. Comment est-ce que tu le sais? Et c'est qui cette entité maléfique, si je pourrais demander? Majesté, cela nous a été révélé quand on priait. Je prierai à Dieu de chasser cette force du mal auprès du prince. Les prières? Oui, Majesté. Et que pensez-vous que vos prières peuvent faire face à une situation qui a pu défier la capacité des aimants? Ah! Rikaboshikababa! Majesté, seul Dieu qui peut répondre à cela. S'il vous plaît, on peut voir le prince pour que nous prions pour lui. Tu essaies de dire que tu veux prier pour mon fils? Oui, Majesté. Ok. Allons-y. Je ne veux pas que quelque chose arrive à mon fils. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus, éternel, nous t'invitons d'intervenir. Cher pasteur, la reine m'a dit que vous me cherchez. Et c'est pourquoi? Oui, Majesté. On a fait appel à vous pour évier votre conscience lorsqu'on priera pour votre fils, le prince. C'est bon. Est-ce que vous avez vraiment besoin de mon consentement? Comme Ezemo a failli, je n'ai pas de choix. Je suis très déçu. Après toutes les promesses et tous ces sacrifices que j'ai faits, il a quand même échoué. Majesté, est-ce que vous croyez le Dieu qu'on serve, le grand Dieu Jéhovah, l'Éternel, peut sauver votre enfant? Si votre Dieu guérit des gens, comme vous le dites, alors allez-y, qu'il guérisse aussi mon fils. Et je vais croire. Ah, Jésus, le Dieu Tout-Puissant, je t'appelle. Ô Dieu Tout-Puissant, envoie le feu. 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 Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu Tout-Puissant, envoie le feu. Ô Dieu Tout-Puissant. Hé, Oteka. Oteka le grand. Seul espoir dans la bataille. L'homme qui a traversé la mer Rouge à pied sec. Où est-ce que vous êtes? C'est moi. Oteka, où êtes-vous? Amuta? Si les crapauds courent pendant la journée, c'est soit ils poursuivent quelque chose ou quelque chose les poursuit. Je suis venu pour que vous m'aidiez à vérifier quelque chose. Oui. Oteka, le mal est arrivé, oh, le mal est arrivé. Hey! Bon Seigneur Jéhovah, Père, nous t'appelons, scellé, ô Dieu Jéhovah, par le sang de ton fils Jésus. Nous couvrons le prince par le sang de Jésus-Christ. Pour montrer ta puissance, ô Dieu, tu l'as fait et tu le feras encore. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Montre ta puissance. Délivre-lui. Délivre-lui. Au nom de Jésus. Tout mauvais esprit qui est en lui, nous le faisons sortir au nom de Jésus. Que cet esprit sorte sur lui. Que cet esprit sorte sur lui. Que cet esprit sorte sur lui. Que cet esprit sorte. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mon fils. Hein? Izu? Izu? Ah, merci Père! Merci Père! Tu n'échoues jamais! Merci! Ce qui s'est passé, c'est que tu es maintenant guéri. Tu es guéri et tu es de nouveau en vie. Calme-toi. Alléluia! Oui, maman! Alléluia! Elle est sous la paillote, elle parle avec d'autres personnes. Essaie juste de te calmer. Calme-toi. Oh, le Dieu de notre terre. Dieu Amaka! Dieu Amaka! Oui, Amaka! Amaka va bien. Amaka va bien. Tu veux la voir? Oui. Tu veux voir Amaka? Tu vas la voir. Tu vas la voir. Je suis si content. Mon fils est de nouveau. Je vais la voir. Oui, allons-y.
Est-ce que ça va? Amaka? Votre Majesté. Tu es innocente. Tu es enfin libre. Tu es libre. Tu es libre de passer ici dans mon palais à tout moment quand tu le voudras. Tu es certainement une bonne fille. Tu viens, viens vite m'aider. Tu es là pour accepter où tu veux. Je suis désolé, mon amour. Je suis désolé. Fils, je te verrai au salon, d'accord? Avance! Je suis vraiment désolé, bébé. Bébé, s'il te plaît, je suis désolé. Pardonne-moi. S'il te plaît, je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. S'il te plaît. S'il te plaît. Mon prince, ce n'est pas de ta faute. J'avais juste peur que tu m'abandonnes. Je suis heureuse que tu vas bien. Bien sûr. Je te comprends. Je ne supporterai pas que tu pars. Jamais. Je ne veux pas que tu partes. Oui, je t'ai dit, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Viens. 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 On doit faut sortir d'ici. Viens, je te ramène à la maison. Marche doucement, ok? Mili sasie, amu acha, madu mwa pusie. Tu prends très bien soin de toi, ok? Merci beaucoup. Je t'en prie. Prends aussi soin de toi. Oui, je le ferai. Mes regrets pour ta famille. Ok, merci. Non, on doit le laisser à terre. Mon prince, te dérange pas, je vais transporter ça où? Non, il va, il irait là-bas. Mon prince, je suis une fille forte. Te dérange pas, je vais transporter ça. Ok, donne-la. Regarde comment je vais le porter. Tu es sûr? Je suis sûr. Ok, on pourrait dire ça. Tu vas me manquer. Tu me manques aussi. D'accord, bye. 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 Bye bye. Prends soin de toi. Tu es sûr que tu paies? Oui, je serai mon prince. Maman, tu nous attendais? Oui, oh. Je pouvais voir comment est-ce qu'il t'aime. Dis-moi. Maman, le prince est gentil, oh. Uh-huh. Et tellement bon aussi. Ah, je peux le voir, je peux le voir ton visage. Maman m'a donné ça. Ça, c'est le yobo. Et là-bas, du lait. Il est vraiment un bon homme. Mmh? Hey, ça fait longtemps que je mange ce soir. Maman, oh. Tu vas en manger bam. Cette nuit. Et tu vas devenir grosse comme ça. Nous allons nous rejoindre ensemble, hein. Maman. Où vas-tu? Je vais rapidement dans une réunion de femmes. Hein. Va m'attendre à la ne maison. Traîne pas, je ne traîne pas. J'arrive. Je t'attends à la maison. Hein? Maman, prie pour moi et le prince. Oh. Je vais le faire, ma et souris. Mon grand frère. Hey! Tout ça pour nous? Dieu est bon. Maman, bye bye. Ah. Hey! Mon Dieu. Maman, ne bon. Traîne pas. Oh, merci, Seigneur. Ezena est à la maison ces derniers temps. À quoi
quoi tu t'attends? Notre frère est amoureux. Cette fille paraît très locale pour moi. Et à ce qui paraît, il y a un homme qui a dû empoisonner Adama. Oui. Je prie juste que l'amour puisse triompher et être de plus en plus fort, même jusqu'au mariage. Alors ça sera très bien. Et du moins, père sera très heureux. Oui, tu as raison. Pourquoi tu ne me rejoins pas? C'est celui qui l'a... Non, ça va. Ne t'en fais pas. Ma chère, ce palais est maintenant en paix. Tout le monde est en paix, y compris moi. Tu as raison. Cette harmonie a commencé à régner dans ce palais. C'est depuis que le prince Ouzou a commencé à voir cette fille. Et tu sais quoi? Je pense très bien que la relation amoureuse n'ira pas de l'avant. Et pourquoi tu dis comme ça? Parce qu'elle n'est pas la seule fille à avoir une relation sérieuse avec le prince. Oui. Qui sait s'ils vont marcher ensemble ou pas? Alors moi, je n'y crois pas. Ok, patientons et on verra. Patientons, nous allons voir. Salut les filles, on a besoin de vous. Allons-y. Papa. Maman. Oui, fils. Fiston. Je t'ai étonné à ce que vous m'avez envoyé. Oui. Nous avons remarqué que tu passes des moments de qualité avec Amaka tous ces derniers temps. Alors dis-nous, qu'est-ce qui se passe au juste? Je l'aime elle-même aussi. C'est ça ce qui se passe. Nous savons que vous vous aimez tous les deux. Mais la question est, cette relation est-elle sérieuse? Maman, nous sommes dans une relation. Et il n'y a rien de plus merveilleux que je souhaite de épouser Amaka. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Donc, ça veut dire que tu vas bientôt te marier et que tu vas me donner de petits-fils, hein? Effectivement, ça l'air. Effectivement. merveilleux. Alors, ramène-la à la maison et laisse-la prendre de moi. Ah, pourquoi perdre assez de temps? Ok, je causerai d'abord avec elle et je sais qu'elle sera vraiment heureuse. C'est bon mon fils. Il ne suffit que tu fasses la bonne chose et tu pourras toujours compter sur notre soutien. Exactement. Merci père. Ouais. Merci mère. Merci énormément mon prince. Non, non, ne dis pas ça. C'est vraiment une très grande joie. Vous ne savez pas à quel point je suis énormément en joie de savoir que mon fils va très bientôt me donner des petits-fils. Ma fille, nous tous savons bien que c'est à cause de la tradition. Exactement. Amaka, écoute, tu dois être sous le tutorat de la reine pour au moins quelques mois en haut. Et tu sais que sans son approbation, tu ne peux pas être la femme du prince Izu. Et peut-être pas aussi la reine de notre communauté. Tout ce que nous faisons, c'est pour ton propre bien. Oh? Amaka, ma sœur. S'il te plaît, non, Amaka. Je suis confuse, gros frère. Parce que je sais que ça ne serait pas facile. Amaka, je sais que ça ne sera pas facile. Mais considérant le fait qu'elle est entre tes mains, tu dois le faire. Tout ce que nous faisons, c'est pour toi. Pour ton propre bien. C'est une chance que Dieu t'a faite. Est-ce que tu comprends? Je veux commencer à t'appeler la reine de notre communauté. Bah, oui. Ou qu'est-ce que tu veux? Si tu devenais la reine, est-ce que c'est mal? Nemo, je sais ce que tu peux faire. Je sais que tu as tout pour devenir la femme du prince. Tu sais, juste vas-y. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire et laisse-le voir. Et tu verras. Hein? Hein? Juste vas-y et crois en toi-même. Et puis, tu verras. Tout ce que je sais, c'est que tu vas gagner ce trône. Tu seras là, comme reine. Ah ah. Je ferai mon père. J'ai vraiment très peur. Tu as peur de quoi?
J'ignore comment seraient ces traitements. Mon grand Obélé. Oui, je t'entends. Merci beaucoup d'avoir cru en moi. Je suis vraiment très reconnaissante. Je promets de donner le meilleur. Waouh! Ça, c'est ce que je voulais entendre. C'est tout ce que j'attendais de toi. Laisse-moi te dire. Le meilleur restera toujours le meilleur. Tu m'entends? Dieu va travailler en ta faveur. Tout ce que tu dois faire, c'est de rester focus à ce que tu veux. Et tu l'auras, hein? Je te connais. J'ai confiance en toi, je sais ce que tu peux faire. Je t'ai toujours dit que tu es une bénédiction pour cette famille. Hein? Allez, arrête de pleurer. Ah, arrête. Amaka. Ok. Ah, ah, sois tranquille. Tu n'aimes pas que je pleure, tu m'as toujours interdit, non? Hein? Allez, c'est bon, ça va aller. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va aller. Hein? Arrête de pleurer. Hein? Non, c'est bon. Hein? Ok. Essuie tes larmes. Maman, arrête. Ok. Permettez-moi de faire mes valises. Les princes arrivent d'un moment à l'autre. Je suis contente pour toi. Ma fille, allez, souris, souris. Oh, maman. Hey. Ah. Mmh. Allons-y. Allez, allez, ça va. Ah, que je vienne aussi? Ah, ah, je vais pas. Ah, maman. Allez, restez là. Maman, je voulais profiter de cette occasion pour te dire merci. Tu as vraiment été gentille envers moi depuis que je suis venue chez toi. Tu m'as traitée comme si j'étais ta propre fille. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Grand frère, où elle est? Honnêtement, tu es le frère que je n'ai jamais eu. Depuis les jours où tu m'as ramené de cette forêt, jusqu'à ces moments, tu as été très gentil envers moi. Merci. Je n'oublierai jamais ce que cette maison a fait pour moi. Merci beaucoup. J'apprécie et je suis aussi reconnaissante. Vous allez me manquer. Nous également, tu vas nous manquer. Mais ce que nous allons rester faire, c'est de prier pour toi, ok? Dieu sera avec toi. Amaka, n'oublie pas tout ce que je t'avais dit. Hein? Bon départ. Nous serons là en train de prier pour toi. Et à tout moment, tu es libre de passer nous visiter. Hein? Je serai là pour toi à tout moment, chaque jour. Oh? Merci. Merci énormément. Hey! Let's go. Ma princesse, on peut déjà l'appeler comme ça. Allez, c'est bon. Hey, bon départ, hein? D'accord. S'il te plaît, prends soin d'elle, hein? Bye bye. Maman Payo. Allez, bye. Avec toi, hein? Merci. Ouais. Hey, elle va tellement me manquer. Elle est maintenant bénie. Elle est bénie. Je sais, mais comment je vais encore la voir? Ne t'inquiète pas, oh. Allons dans la maison.
ça serait la dernière fois que nous puissions être ensemble. Jusqu'à ce que je puisse donner ta date. Je suis prête à l'affronter. Et je suis prête à devenir cette servante-là. C'est d'accord. Je veux juste que tu puisses savoir que peu importe ce qui va arriver, c'est toi que je veux dans ma vie, tu sais. Je crois sincèrement que je pourrais l'affronter. Je ne sais pas si je pourrais. Je serai toujours là pour toi. Je suis là pour te protéger. Tu n'as pas à avoir peur. Merci beaucoup, mon prince. Mais s'il te plaît, prends soin de toi. Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour moi. Parce que je suis une fille forte. Et j'ai la grâce de Dieu. Et je vais l'expérimenter. Je sais que tu peux. Ah, vraiment. Tu n'as pas la disposition de m'enseigner ce que je dois faire. Ah non. Mon fils, j'espère que tu te rappelles de tout ce dont nous avons discuté. Oui, bien sûr, père. Que le Dieu est de notre terre. T'accompagne pendant ton retour en ville. Ah, je vous remercie. Okay. Tu arriveras en paix, hein? Tu Merci, arriveras en paix, mon fils. Fiston. Maman. S'il te plaît, conduis prudemment. Ok? Oui, tu vas mère. Beaucoup me manquer. Merci, tu vas aussi me manquer. Hey. Oh. Sois prudente. Tu okay? vas me manquer. Tu vas aussi manquer. Hey. Prends soin de la maison. Hey. Hey, tu n'as pas à faire cette tête, d'accord? Je ne pars pas pour du bon. Je veux rentrer avant, tu le sais. Hmm? Prends soin de toi pour moi. Hmm? Ok, merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu sais comment le jeune se comporte, ne t'inquiète pas. C'est bien. Tu vas me manquer. Sois forte. Merci. Père, je pars maintenant. D'accord. Bye bye. Merci. Mon prince. Je rentrerai bientôt. Je ne vais pas rester pour longtemps. Hmm? Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Je sais. Même ici. Hein? Même ici. Forte, ok? Ok, laisse-moi partir. C'est l'heure. Ok. Merci. Désolée, ma princesse. Ok. Je suis jolie, n'est-ce pas? Oui, ma princesse. Vous êtes la princesse la plus belle de ce monde. Je le sais. Ok. C'est encore quoi son nom? Amaka. Oui. Appelle-la pour moi. D'accord, ma princesse.
Ma princesse, tu m'as appelé. Oui, bien sûr. Va me prendre de l'eau. Ok, ma princesse. Hey! Rassure-toi de nettoyer tes deux petites mains. Mes mains sont propres, ma princesse. Va-t'en. Ok. Recule. Qu'est-ce que c'est? Ma princesse, tu as demandé de l'eau. Oui, je t'ai demandé de m'apporter de l'eau. Et oui. Tu n'as pas lavé tes mains. As-tu lavé tes mains? Oui. Tu ne l'as pas fait. Ramasse-le et quitte cet endroit immédiatement. Dégage! Stupide fille, tout ce que tu as à faire dans ces palais, c'est être fainéante. Une simple instruction, lave tes mains avant de m'apporter de l'eau. Et tu veux me contaminer avec le Covid. Servante! Où êtes-vous? S'il vous plaît, retouchez mes cheveux. D'accord, ma princesse. Vous avez l'air très... Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi tranquille. Je vais être seule. Dégagez. Servante! Mes salutations, Sa Majesté. Salutations. Débarrasse-moi ça. Et souviens-toi de mes instructions. Oui, Sa Majesté. Bien. Bonjour, Votre Majesté. Salutations. Votre Majesté, permettez-moi de vous poser une question. Je t'écoute. Votre Majesté, les servantes m'avaient déchargé de la charge de la cuisine aujourd'hui, mais tu les as dit de ne pas me donner à manger. Je dois te nourrir moi-même. Merci, Votre Majesté. Merci beaucoup. Ramasse ça et mange. Votre Majesté. Ramasse ça et mange. J'ai dit ramasse ça et mange. C'est... Bien. Vraiment amusant. Drôle. Vraiment. Oh, mes chers. Bonjour, ma princesse. Reviens ici. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as demandé d'amener ces fruits pour toi, princesse. Oui, je t'ai demandé de m'apporter de fruits
Mais je t'ai pas demandé de m'apporter les plus mauvais et le plus pourri. Regardez par vous-même. Regardez ça. Regardez, sentez. Ça, c'est du poison. Ah, c'est évident que tu veux me tuer. Hein? Donc, tu cherches à m'humilier devant mes amis. Non, ma princesse. Devant mes potes. C'est ça ton plan. Mais tu sais quoi? Toi, cette fille, rien ne marchera pour toi. Pouvez-vous imaginer? Me servir de fruits. Tu n'arrives pas à trouver ce qui est plus frais et plus mûr. Ma princesse, c'est frais et c'est pas le poison. Je l'ai nettoyé moi-même et je les ai coupés. Je suis en train de mentir. Donc tu me regardes droit dans les yeux dans la maison de mon père, ce palais. Imagine. Pour me traiter de menteuse. Ok, bien. Qui est la princesse? C'est toi. Je dis qui est la princesse? Tu l'es. Je le suis. Oh, tu le sais. Ok, prends ceci. Plus près, prends-le! Ma princesse, je peux passer à toi. Donc tu sais que ce n'est qu'à moi. Et tu rejettes mes ordres. Tu dis que ce n'est pas empoisonné, n'est-ce pas? Il n'y a pas de poison. C'est bien. Alors, mange-le. Mais mange-le. Mange-le. Maintenant, mange. Mais vas-y, mange-le. Mange-le! Comme tu dis qu'il ne s'est pas empoisonné. Savoure-le. Oh. Mange, non? Ma princesse, pourquoi m'es-tu jusqu'à ce point? Pourquoi tu m'es jusqu'à ce point, ma princesse? Je t'ai causé du tort quelque part. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Pouvez-vous imaginer? Oh, vraiment. Donc cette chose a le culot de me poser des questions dans la maison de mon père? Ce n'est pas normal. Hein? Je dis mange-le maintenant. Mange-le rapidement! Ok. Mange-le! Lève-toi et dégage! Dégage! Elle n'est qu'une simple fainéante, je vous dis. Elle n'arrive pas à faire une simple petite chose. Regardez-la. Vous la voyez? Dépêche-toi! Je ne sais d'où mon frère a ramassé cette chose. Je ne sais pas. Hein? Cette fille du village que mon frère a amenée ici comme sa fiancée. Tout ce que je vois en elle, c'est comme une stupide fille. Je la déteste! Ah. Ma princesse. Si nous deux, nous n'arrivons pas à voir le prince, en tout cas, personne d'autre ne peut avoir le prince. Tu n'as pas besoin de trop parler. Ma mère, la reine, elle-même, va la maltraiter. Vraiment. J'ai confiance en ma mère. Elle va la maltraiter. Imaginez. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est de changer nos stratégies. Si notre plan, que l'une d'entre vous puisse épouser Jamie, n'a pas marché, nous allons nous focaliser sur Izu. C'est oui, ça. Juste ça. C'est fini. Hey. Pourquoi est-ce que tu pleures? Mon prince, je ne pleure pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais tu es en train de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est que la princesse me hait. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Je ne veux pas me plaindre. C'est une très bonne chose. Ok. Je sais très bien que ma sœur devait être mystérieuse par moment. Mais s'il te plaît,
Je veux que tu fasses preuve de patience. D'accord? Tu es déjà là. Apaise-toi. C'est très bien. D'accord? Ça va aller. Votre Majesté. Ma reine. Allons-nous répondre à l'invitation du 30e anniversaire de Igwe Ikenga? Ma reine, ordinairement parlant, je n'aimerais pas aller quelque part, surtout en cette période où ma santé n'est pas bonne. Mais j'aimerais que nous allions pour une raison. Pour une raison? Mm-hmm. Pourquoi tu as dit ainsi? Mon ami Igwe Ikenga. Oui. Il a de très belles filles. C'est ça? Oui. Et d'après les informations que j'ai reçues, ces filles sont bien éduquées. Vraiment? Et elles se comportent très bien. Ah. Et elles ne sont pas encore mariées. Ah. Et j'étais en train de penser que si nous partons à cet anniversaire avec nos enfants, les garçons, ils peuvent se relier avec ses filles. Sa Majesté. Et le désir de notre cœur sera réalisé de cette manière. Tu as raison. Ça sera un Igwe face à un autre Igwe. Je peux maintenant comprendre. Pas de problème. C'est une bonne idée. C'est une bonne chose. Oui, mais tu auras du travail à faire. Un travail? Comme? Tu devrais faire tout ce qui est à ton pouvoir pour convaincre ces garçons de venir avec nous. Oh, dans ces cas, laisse-toi entre mes mains. Laisse-moi gérer, bien sûr que tu sais ce que je peux faire. Sinon, moi aussi, je n'irai pas. Ah, je te le promets, je le ferai. C'est bon alors. Je le ferai. Mais quelque chose me dit que quelque chose de bon pourrait sortir de ça. Vraiment. J'accepte. Ah, c'est une bonne chose. Désolé, prends ton nom. Enfin, nous sommes maintenant à la maison. Oh, vraiment. C'est vraiment une très bonne chose. Est-ce que tu vas bien? Enfin, on est arrivé. Faudrait que tu prennes toutes nos affaires. D'accord, mon roi. Mais je t'assure qu'il vient de me prouver une fois encore qu'il est un très bon garçon. Tu es drôle. Père, je suis très content d'avoir fait partie de ce conseil. Oh oui. Nous sommes tous contents, mais tu n'as pas accompli la raison pour laquelle nous étions partis là-bas. Et qu'est-ce que c'était? Oh, tu me demandes? Tu étais censé te mettre en contact avec une de ses filles. Et qu'as-tu fait? Hein? Est-ce que tu l'as fait? Papa, tu sais que je l'avais déjà montré l'une. Vraiment? Oui. Et qu'avait-il fait? Il a prétendu qu'il ne les connaissait même pas. Jamike. Mon père. Et Izoa refusé de venir. Igwe, s'il te plaît, donnez-leur encore du temps. C'est à eux-mêmes de s'occuper de tous les restes. Oh. Les dieux de notre terre savent que j'ai fait de mon mieux. Donnons-leur juste un peu du temps, ok? D'accord, alors. Amaka, qu'est-ce qu'il y a? Amaka?
Dis-nous, Amaka, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi, s'il vous plaît, je veux bien. Tu crois vraiment? Laissez-moi, je veux bien. Amaka, Amaka, qu'est-ce que tu es Amaka, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis-nous, as? Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Amaka, 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 dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? As-tu mal au ventre? Amaka, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Amaka, mes salutations, votre majesté. Salut, votre majesté. Salutations. Est-ce que ça va? Oui, ma reine. Tout va bien. Pourtant, ton état est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ma reine, elle paraît être malade. Amène-la à la clinique alors. Où sont les gardes? Va les appeler. Dis-leur d'apporter une voiture, vite. Aide-les qu'elle se relève. Aide-moi à la soulever, aide-moi. Garde! Garde! Dépêche-toi! Une voiture, dépêchez-vous. D'accord, ma reine. Désolée. 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 C'est pour ma reine. Désolée, ça va aller. Merci, ma princesse. C'est bon, allons-y. Vas-y, force-toi. Ne t'inquiète pas. Tu as mon soutien à tout moment. À tout moment. Oh oui. Je crois que nous avons déjà eu des résultats qui sont très excellents. D'accord, comme ça nous allons nous rencontrer à l'hôtel du gouvernement. D'accord, mon frère. Mon cher frère. Ok, ok. Merci, merci. À plus tard alors. Bye bye. Ah, Igwe Onomboji. Je suis très très content. Ah, ma reine. Votre majesté. Tu es la bienvenue, ma reine. Merci, mon mari. S'il te plaît, assieds-toi. Comment est-ce que ça s'est passé à l'hôpital avec Amaka? Tu n'as pas l'air détendu. Amaka est enceinte. Quoi? Oui. Elle est grosse? Comment et par qui? Elle n'a pas voulu me le dire. Et je me demande qui l'a mise enceinte. Parce que ça ne peut pas être Izuo. Pourquoi dis-tu ça? Amaka est la fiancée d'Izu, n'est-ce pas ça? Oui. Alors? Izu m'avait dit en secret qu'il ne touchera pas Amaka jusqu'à ce qu'elle complétera toutes nos conditions. Et tu as cru à ça? Je n'ai aucune raison de douter. D'ailleurs, elle ne se déplace pas. Alors, c'est qui devrait être responsable de cette grossesse? Ça peut être l'un des gardes. Les gardes? Comment? Ce n'est pas possible? Amaka? Les gardes? Non. Sa majesté, il n'y a rien d'impossible dans cette situation, tant que je m'inquiète. Envoie quelqu'un pour aller appeler Amaka. Elle doit nous dire qui est responsable de cette grossesse. Laisse-moi l'appeler. Maintenant même. Une des gardes m'a informé que tu voudrais me voir. Alors dis-moi, c'est quoi le problème? Je suis désolée de t'avoir entendu au lieu de venir. Alors qu'est-ce qui aurait été fait? Ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi suis-je ici? Mon prince. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je vais parler. Oui. Est-ce que tu peux me parler au lieu de faire cette tête? Oui. Je crois que je suis grosse. Quoi?
Tu es quoi? Es-tu en train de me dire que tu portes un enfant là qui m'appartient? Je sais pas. Waouh! Waouh! Bonne nouvelle! Je serai bientôt père. Je vais bientôt devenir père. En tout cas, je suis impatient de dire à maman cette nouvelle. Oh non, non! Oui! Non! Non! S'il te plaît! Qu'est-ce que c'est? Tu cries. Je ne veux pas que tes parents entendent parce que je suis la fiancée de Prince Ozu. Cela ne dérange en rien. D'accord? Sans le pas. Ce qui importe ici, c'est que tu portes un enfant là. Mon enfant. Ok? Je parlerai à mes parents. Hey! Et tu n'as rien à t'inquiéter. D'accord? Je prendrai soin de toi. Allons. Viens. Mon prince. Je dis viens, je prendrai soin de ça. Viens, viens, d'accord? Viens. Mon prince, s'il te plaît, je pleure. Non, 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 non. Je suis le successeur au trône, ok? Ce n'est pas un problème. Je t'ai dit que je vais gérer ce problème. Ok? Viens, 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 viens. Entrons, s'il te plaît. Ok? Viens avec moi, viens. Rien n'arrivera, viens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bonjour, père. Bonjour, maman. Nous sommes venus vous voir parce qu'une de nos gardes m'a informé que vous étiez tous deux ici. Elle est celle que nous avons demandé de voir et non toi. Oui. Elle. Bien, je ne sais pas qui avait demandé de voir qui, mais si c'est concernant la grossesse, eh bien, je souhaite vous informer que je suis celui qui en est responsable. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, l'enfant qu'elle porte est mon fils. J'espère que tu es en train de blaguer. Ce n'est pas une blague, père. L'enfant qu'elle porte dans son sein est mien. Et j'en suis le responsable. Djamike! Maman. Amaka! Votre Majesté! Est-il vrai? Est-il vrai? Réponds! Oui, c'est vrai. Quoi? Djamike! Non, 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 ça ne peut pas être vrai. Djamike, ça ne peut pas l'être. As-tu perdu ta tête? Non, 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 père, je n'ai pas perdu mes sens. Ce fut quelque chose que nous avons et... Djamike! Mère! Ferme ta sale gueule! Mais qu'est-ce que tu essayes de dire? Djamike! Es-tu devenu fou? Tu as engrossé la fiancée de ton frère! Oh! Comment peux-tu faire une telle chose? Qu'est-ce que je dirai à Ouzo? Quelle la fille qu'il a laissée sous ma garde? Tu l'as rendue enceinte! Es-tu fou? Quelque chose ne va pas avec toi? Je suis vraiment désolé, maman. Mais je peux toutefois vous expliquer. Expliquer, tu as dit? Votre Majesté, ma reine, s'il vous plaît, excusez-moi. Oui, ne sors pas d'ici. Alors, reviens ici. Reviens. Où penses-tu que tu t'en vas? Où penses-tu que tu t'en vas? Tu as semé la confusion ici et tu comptes t'en aller? Oh. Comment oses-tu? Oh. Oh. Es-tu devenu fou, Djamike? Ne dites pas ça! Ça n'a pas de sens! Ne me dis pas de me relaxer. Une fois encore, tu verras. Non, mais tu dois t'apaiser. Ne me dis pas de relaxer! Je crois que tu me cherches! Izu? Djamike? Je vous ai prévenu plusieurs fois. Essayez de vous calmer pour qu'on arrive à régler ces problèmes amicalement. Et vous continuez à vous créer l'un sur l'autre, même devant moi. Y a rien à arranger, père. C'est fou à oser rendre ma femme enceinte. Tu te prends pour qui, toi? Ce n'était pas intentionnel. Ferme ta bouche! Tu dis que ce n'était pas intentionnel. Écoute maintenant. Prends cette chose et tu l'enlèves si tu ne veux pas pourrir ta vie. Quoi? Tu dois être stupide de penser que moi, je vais avorter mon unique fils. Quelle bêtise!
Vraiment. Soudainement, tu t'opposes à moi. Ok, je vois. C'est très clair que tu veux mourir. Je vais t'aider à achever cela. Quoi que tu aies l'idée de faire, sache que je ne vais jamais avorter mon unique enfant. Qu'est-ce que tu essayes de me raconter? Et ce ne sont que de bêtises. Vas-y, cherche à te suicider, ça m'est égal. Tu le sais très bien que j'aime les challenges. Et tu sais très bien que j'accepte les challenges. Que cela soit ainsi alors. Izu? Ou quoi que ce garçon ait dans sa tête, je ne reculerai pas. Je vais continuer à garder cet enfant. Je me fous de ce que vous racontez. Ma reine, peux-tu voir ce qui se passe? Non, est-ce que tu as vu? Tes enfants ont maintenant ce courage de s'en aller pendant que moi je parle. Igwe. Après avoir tenu l'un sur l'autre, maintenant ils viennent de partir l'un après l'autre, ce qui signifie que je devais inutile. S'il te plaît, Igwe, nous devons faire quelque chose avant que nos enfants s'entretuent. Princesse, je t'en supplie. Peux-tu voir ce que tes frères sont en train de faire? En train de me disgracier et m'humilier. Papa, honnêtement, je n'ai rien à dire. Honnêtement, je suis confuse. Mais nous devons faire quelque chose. Hein? Je les avais fait venir à cette réunion pour qu'on essaie de trouver une solution. Mais à la fin, quand ils font, ils ont fini à s'en aller pendant que j'ai parlé. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous ne pouvez pas vous entretuer à cause d'une femme. Crois-moi quand je te dis qu'elle n'en vaut pas plus que ça. Tu peux la fermer? Ça n'a pas de sens. Que veux-tu dire que ma femme n'est pas méritable? Tu essaies de dire que ce qu'il a fait, c'est bien? Non, Izu, ce n'est pas ce que je dis. Tout ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est arrivé. Nous devons parler d'autre chose. Le seul moyen qu'on a est qu'il va aller enlever la chose qu'il a mise à l'intérieur et rien d'autre. S'il ne le fait pas, je te dis, rassure-toi qu'il cherche qu'il fasse un trou. Je ne vais pas accepter jusqu'à ce qu'il va enlever ce qu'il a mis à l'intérieur. Izu, tu essaies de me dire que vous n'avez pas pitié de vous-même et vous cherchez à vous entretuer à cause d'une femme. Ok, quelque chose est certainement en train de se passer. C'est soit tu vas tuer Jamike ou Jamike va te tuer. Oui, je m'imagine perdre l'un d'entre vous ou même vous deux. C'est très simple, il mourra s'il refuse de faire ce que je veux. Je vois que tu le supportes de ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Izu, je ne suis pas en train de prendre son parti, pas du tout. J'essaie juste de dire que on ne peut pas permettre toutes ces choses. Arrêtez ceci et remettons la joie et la paix que nous avions dans cette famille. S'il vous plaît. Nous connaissons tous la raison de cette réunion. Et je veux que tout un chacun de nous maintienne son sang-froid. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Oui, père. Oui, père. Nous avons essayé de maîtriser cette situation, mais cela n'a pas marché. Alors, Amaka a quelque chose à nous dire. Peut-être une suggestion qui peut bien maîtriser cette situation. Alors, entendons ce qu'elle a à nous dire. Votre Majesté, ma reine, la maison royale en entier. Je voulais sincèrement m'excuser pour le trouble que j'ai causé pour tout le monde. Croyez-moi quand je dis que ce n'était pas intentionné. Et je ne suis pas venue ici pour diviser cette famille. S'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour me pardonner. Votre Majesté, je peux s'il vous plaît poser une question? Qu'est-ce que c'est? Permettez-moi de partir et ne jamais revenir. Pour aller où? Ben voyons, tu ne peux pas quitter le palais dans ces genres de conditions. Tu dois rester proche de moi pour que je prenne soin de toi ainsi que de l'enfant qui la vend. La ferme, elle est encore en train de parler. Pour aller où s'il te plaît?
N'importe où, jusqu'à ce que je retrouve encore la paix. Oh, très bien, je partirai avec toi. Et de toutes les façons, je ne laisserai jamais la mère de mon enfant loin de ma vue. Je pense que tu es très stupide. Père. Izo. Je sais que je t'ai fait du mal. C'est vraiment de ma faute. C'est moi qui l'ai amené à faire ça. Mais je jure que ce n'était pas intentionnel. S'il te plaît, je veux que tu nous traites avec pitié. Ne fais pas souffrir cette femme à cause de nos différences. Je t'en supplie. Ah, je vois à fond que tu as pu récupérer tes sens, Norman. Ça veut dire que tu viens me demander la paix. Et bien sûr, si tu as besoin de la paix, je te conseille de rester avec nos parents. Je serai là quand tout passera. Je peux essayer de tolérer ce que tu as fait, mais cette femme ici, c'est ma femme. Donc on doit vraiment supprimer la stupide chose que tu as fait. Maintenant, tes esquives sont acceptées. Tu peux rentrer à ta place. Jamike, rentre à ta place. Jamike, j'ai dit rentre à ta place. C'est un ordre. Non. Je ne laisserai jamais cette femme aller loin de ma vie alors qu'elle est en train de porter mon enfant. Comment vous espérez que je reste loin de la femme et qui porte mon enfant? Je vais lui donner l'opportunité de faire son choix. C'est par là, j'aurai quoi à te répliquer. Amaka, je veux que tu puisses choisir entre mon frère et moi. Qui est-ce que tu préfères? Amaka, tu n'as pas à te... Jamike, assieds-toi. Tu nous rends mal à l'aise. Assieds-toi. C'est un ordre. D'accord, je vais me mettre. Princesse, tu peux continuer. Tu n'as pas à être effrayée pour faire ton choix. Peu importe la décision que tu prendras maintenant, cette famille royale va te supporter. Mon prince, je suis vraiment désolée de te mettre dans cette situation. Je ne savais pas que les choses pourraient se dérouler de cette façon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime beaucoup. Et si on me demandait de faire le choix, je vais te choisir, mon prince. Comment est-ce que tu peux opérer ce genre de choix? Non, mais tu portes mon enfant. Père, vas-tu permettre que ceci arrive? Comme elle vient de le dire, c'est son choix. Mais elle porte mon enfant. Peux-tu la fermer? Votre Majesté, c'est vraiment honte de le dire. Mais je fais l'amour avec les deux frères. Qu'est-ce que tu veux dire? Ok, mon prince. Mon prince, désolé, tu as dit le vin rouge. Merci.
pas compris si c'est quoi. C'est quelle bouteille? Je ne sais même pas il s'agit de laquelle. Ah, et ça pourrait être ça? Ah, je ne pense pas trop. Hein? Hein? Mon Dieu. Oh. Je comprends pas. Si je partais le lui demander, il dirait que je suis une villageoise, hein? Mais qu'est-ce que ça peut être? Amaka? Ok. Peut-être qu'il faut que je goûte d'abord. Oui, Amaka, goûte-le. Ok. Hey, c'est quoi ça encore? Oh, s'il vous plaît, mon Dieu. Mon Dieu. C'est quoi? Ça, c'est quel goût, ça? Ah! Comment je saurais même? Ça, c'est comme l'alcool. Ah, c'est pas ce qu'on m'a demandé, non? Je crois que c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Il faut juste un peu goûter. Et j'irai lui dire que j'ai pas vu ça. Ça, c'est ce que je veux faire. C'est vraiment bon. Je ne l'ai pas encore vu. Ah! Je crois qu'il faut faire comme ça. Eh oh! Il est. Aïe! Et c'est blanc. C'est blanc. Et ça, c'est comme ça. Du lait est blanc. Ça, ça goûte comme... Je ne sais même pas où. Mais... C'est coloré. C'est coloré comme ça, mais c'est bon comme le manioc. Ok, peut-être c'est le manioc, non? Hein? Peut-être c'est tiré de ça. Comme je suis ici, je ne veux pas rester comme une personne ignorante. Ça vraiment c'est très bon. Ces gens se font plaisir oh. Ça c'est quel genre de lait? C'est vraiment bon. C'est très bon.
prince, oh. Si on m'a retenu, c'est toi, bien sûr. Tu ne sais pas. Tu m'as embrayé. Tu m'as envoyé ici et je veux plusieurs boissons. Il y a plusieurs boissons. L'autre, ça ressemble au sang. Et je me suis décidée de goûter. C'est bon comme le manioc. Et maintenant, je le bois. C'est vraiment bon. Mon prince, c'est tellement bon. Tu ressembles au paradis. Tout est tellement beau. Le paradis. Tu les feras? Amène-moi là-bas pour le voir. Tu es sûr que tu vas me porter? Tu peux amener ta meilleure copine. Le paradis. C'était... Tu m'amènes pas au paradis? Hein? Mon prince. Tout s'est coloré. Tu vois l'orange. L'orange est beau. Oui. Je vois l'orange. Tu étais ivre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Dis-moi. C'est pas le problème.
parce que c'est arrivé. Comment tu peux permettre que cela se passe, tant que tu sais que je suis là pour ton frère? Tu es désolée? Ça ne devait pas se faire. Votre Majesté, c'est ce qui s'est réellement passé. Mais pour le prince Ouzo... Comment s'était passé avec maman? J'espère que c'était vraiment difficile pour toi. Honnêtement, mon prince, c'est pas facile. Mais je veux bien. Comment tu vas? Ça n'a pas été facile de rester là pour te défendre. Tu me manques. Tu me manques beaucoup. Mais tu sais qu'on ne peut rien faire jusqu'à ce que ma période d'ovulation finisse. Je sais. Je suis vraiment très impatient. Mais je ne pense pas que je peux trop attendre. Mon prince, je perds. Je ne veux pas que la reine sache que je te vois. Ma mère, elle est dans la chambre. Elle dort déjà. Crois-moi, il n'y a rien à s'inquiéter. Tu n'as pas à avoir peur. Tu sais ce que tu fais? Et alors la tradition? Je m'en fous de la tradition. Cela me regarde même pas. Cet aventurier a enivré ma femme. Et je suis debout ici pour écouter ses bêtises. Qu'est-ce qui prouve que cet enfant est le tien? C'était moi le premier avec elle, c'est à moi. C'est mon enfant. Je pense que tu es stupide. Ça suffit. Je pense que tu es stupide. Je Papa, tu suffit. Vois pas cet imbécile? Je dis ça suffit tout ça. Ça suffit tout ça. Hey! Mais ça suffit, tout ce que vous faites là. Asseyez-vous, vous deux. C'est un ordre. Papa, elle doit se mettre sur ma chaise. Je suis un peu inquiet pour moi. Izu, assieds-toi. Avec elle? Assieds-toi tout seul. Seul, ok. Seul. Je suis celui qui avait dit que je voulais du calme dans cette réunion. Il doit y avoir un moyen de régler ces problèmes. Amicalement. C'est à ce niveau que nous devons tous nous mettre à y réfléchir. Moi, en collaboration avec le docteur de la famille, nous avons organisé un test de paternité
un test d'ADN sur ses fœtus dans la matrice d'Amaka. Tu es au courant de ça parce que nous avons pris des échantillons venant de toi. Aujourd'hui est le jour où nous saurons le résultat de ces tests. Oui. Et l'échantillon de ces résultats est ici avec moi. Je veux croire que c'est par ici que nous mettons un point final à la querelle, à la bataille, à la confusion, à l'acrimonie, peu importe le nom, quoi qu'il en soit, que ces problèmes a pu créer. Ceci est scientifique et ça a énormément coûté à ces palais en termes de fonds et de logistique pour en arriver là. Parce que je veux la paix dans ma maison. Je veux la paix dans mon palais. Je veux la paix dans mon royaume. Revenons au résultat. De ce que j'ai ici, les bébés dans les ventres d'Amaka appartient à Izuna. Je veux croire que ça pourrait certainement mettre un point final à cette controverse. Ma reine, tu peux jeter un œil. C'est bien. Mes fils, s'il vous plaît, donnons la chance à la paix. Tu peux me donner ces résultats. Mes enfants, attends que votre mère. Je vous en supplie tous les deux. Essayons de donner la chance à la paix. S'il vous plaît. Mes frères, j'espère que vous avez retrouvé vos sens. Maintenant que nous avons le résultat, s'il vous plaît, faites que la paix règne. Jamike, Izuna, vous êtes des hommes. Je vous félicite tous deux. Vous m'avez réellement rendu fier. Je suis énormément dans la joie. Merci, père.
je pourrais demander une danse. Femme belle. Merci. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.